Les amis, aujourd'hui, un concept qui s'annonce incroyable. Elden Ring, mais tout est random. Tous les ennemis, tous les boss, ça va être d'une difficulté astronomique. Évidemment, c'est toujours en live sur Twitch que l'on fait ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça vous ferait hyper plaisir. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Pensez à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Des bisous et à bientôt. C'est Carlos, les amis. Je jouerai avec Carlos. C'est pas Malenia, c'est qui ça? C'est un boss fort, ça, pour ceux qui connaissent ou pas? Je crois que je vois quel boss c'est. Au calme, je peux le faire. Ah oui, elle est mère du roncier. Wow. Ok, what? J'ai pas du tout le niveau, Oh putain, j'ai tourné le rouleau en deux secondes. Je me suis fait éclater la gueule. J'avais clairement pas le niveau. Ah, et là est-ce qu'on est pas classe là comme ça? Est-ce que là y'a pas... Regardez-moi ça. Ouh, là on est sexy, non? Non. Alors... Alors ça c'est les monstres qui se trouvent à Kaelid normalement. Et qui sont... C'est pas les plus cools, on va dire. Ils me sautent dessus, vous croyez? Non, c'est quand j'irai en haut. Oh là là. Non mais... Mais putain de merde. Est-ce que j'arrive à le tuer, vous pensez ou pas? Ok, ça va, je fais des dégâts. C'est passé. Bon les amis, le boss du tutoriel. Normalement c'est un boss horriblement facile. Quel va être le boss du tutoriel? Attention, c'est parti. C'est pas les plus durs mais... Oh, ça va être dur quand même. Mais en fait c'est un peu... Je peux pas les... J'en fais pas de dégâts. J'en fais pas de dégâts. J'en fais des dégâts. J'en fais pas de dégâts. Non mais attends, je fais rien. Ok, je commence, attendez, je commence à faire des dégâts. Ok, attendez, on peut y arriver, Ça va être chaud, hein. C'est maintenant. Rappelons-le, c'est le boss du tuto, hein. Et j'espère que vous êtes fiers de moi, là, hein. Enfin, frérot. Non. Et en vrai de vrai, premier degré, c'est pas trop marrant, ce mode. Le jeu devient incroyable, non? Le jeu devient assez fou. Ah, c'est bien. Alors, Léomar, non merci. Oh, sans façon, sans façon. Putain de merde. Sans façon, Léomar, sans façon. Il y a des fourmis et des homards, mais c'est quoi, ça? Mais putain, mais c'est... C'est un zoo. Il y a un ours, maintenant. Mais putain. Deux homards, des fourmis, un ours. Un petit peu galère de... Oh. Allez, je peux passer, je peux y arriver. Putain, mais... Il y a une chauve-souris qui se rajoute au délire parce que... Ouais, non, mais bon. Putain, comment je passe? Putain, ils sont... Ça, c'est chiant comme mob. Vas-y, viens, je te déglingue. Je te déglingue, mon coup. Je te déglingue. Il y a le loup de merde. Ok, ça va aller. J'ai eu que des boss, et franchement j'ai eu que des boss horribles et des monstres horribles. Là je vais avoir un truc bien, vous allez voir. Je suis con, je vais faire réapparaître. Attends, je regarde ça. C'est qui ça? C'est qui? Putain.
Mais please le jeu, mais please le jeu! Le jeu! S'il te plaît le jeu! S'il te plaît le jeu! Non! Mais putain, je suis déjà putréfié! Mais le jeu! Mais c'est impossible! Mais c'est invoqué! Mais putain! Oh! Putain, c'est les soldats de Malenia! Mais putain! Ok les amis, la fois miracle. Ok voilà. Ok, un mois. Il est presque mort. Allez, il est presque mort. Voilà. Et un de moins. Allez, c'est fini là, c'est fini. C'est fini, observez bien. Ça trigger l'effet du coup critique, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Du premier coup. Je vois rien, je vois rien. Ok, si je meurs maintenant, j'ai plus jamais le droit de dire que la Bretagne, il pleut là-bas. Je pense. On avance quand même un petit à petit. T'as radiné la campagne. Eh, vous abusez, hein. Par contre, toi, t'abuses pas. Vraiment, premier degré, comment je passe cet endroit? Y'a un autre chemin pour aller au château? Peut-être que les loups peuvent aider un peu, là, histoire de prendre l'aggro. Oh, je crois que ça a marché. Obligé, je crois que ça a marché, les loups. Encore un ours, là. Oh, putain de merde. Allez. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non. Par pitié, non. Non. Ok. Non. Potion. Non. Putain de merde. Allez, vraiment tu peux le faire, vraiment tu peux le faire. Potion, potion. Ah, fluffly, fluffly. Laissez-moi vivre, laissez-moi vivre. Putain. Ah, Xabab. Laissez-moi. Oh, putain, je suis passé. Alors. Ça, c'est Margit à quoi il ressemble d'habitude. Ne vous laissez pas avoir, il ne ressemblera pas à ça. Margit qui se transforme en... Pour ceux qui se demandent, c'est le boss final. Donc on est d'accord, là j'ai le boss final à la place du premier boss. Hein. Donc est-ce que je fais les dégâts? Non mais la reine en plus.
dans cette arène en plus, mais comment. Oh là là là, ça va être un enfer. Vous savez qu'il y a des stats qui sont assez effrayantes. On en avait parlé, j'étais en mode genre, what? Les joueurs PlayStation, je crois que 1 joueur sur 10 PlayStation, non, peut-être pas autant, mais genre 1 joueur sur 20 a une PlayStation que pour FIFA et un autre joueur sur 20 a le jeu que pour Call of Duty. Enfin, et qui joue à aucun autre jeu en fait. Et c'est quand même triste, non? Quand tu sais que sur la Play, t'as des God of War, t'as des Last of Us, des trucs comme ça, t'es un peu en mode genre. Sauvegarde. Je crois que ça sauvegarde quand tu t'arrêtes au gras, attendez. Ok, ça sauvegarde, oui, ça sauvegarde, ça sauvegarde. Ça a clairement sauvegardé, ça a sauvegardé. Putain, mais vous êtes sérieux le jeu? Mais bon, ça a sauvegardé, oui, ça a sauvegardé. Mais... Mesdames et messieurs, nous assistons actuellement à un combat totalement phénoménal et c'est un coup par l'arrière qui est proposé par Monsieur Grosstête sur Monsieur Cristal alors que le mage est en train de mettre quelques coups aussi. C'est absolument incroyable alors que le commentateur va décider de descendre pour aussi lui aller combattre. Mesdames et messieurs, c'est fou. Le commentateur qui rentre dans le combat et qui va commencer par taper l'escargot de Cristal alors que personne ne s'y attendait. Hop là, il n'y a plus d'escargot de Cristal, il recule un petit peu évidemment pour laisser le combat continuer. Une fois qu'il y aura un peu plus de morts, pourquoi pas y retourner, mesdames et messieurs, tout cas le combat est complètement fou. Et il se prend un coup, c'est super. Oh, c'est le bleu qui a gagné, bien joué. Bien joué. Et le présentateur qui ramasse, il a... Mais... La 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 la... La la... En vrai, je pense que boss, j'arrive à le first try à mon avis de boss là. Hein. Ça se fait. Vraiment, ça se fait. Ok, ça va les dégâts. Ouais, je suis pas en lui, mes chers. Oh putain, ok. Ouais, ça va pas être si facile que ça. Hein. Ok. Oh, mais il est déglingue. J'ai déjà un look est mort. Oh non, mais c'est qui a dit stop? Qui a dit au calme? Au calme! Ah oui, au calme, hein, vraiment, ça va être au calme là, hein, putain! Oh, ça va être dur ça. Deuxième phase de Godfrey, incroyable. Ah bah, c'est le vrai Godfrey quoi. Oh putain. Je tombe, il m'attaque. Non mais le homard, c'est trop chiant qu'il soit là. Hein. Je sais pas comment je peux faire, hein. Je ne sais pas. Vous savez, alors ça c'est un truc qui m'énerve aussi. Je disais de vous le dire, mais la course à la fatigue, je trouve ça débile. Hein. Tu dis aux gens que t'es fatigué et les gens qu'est-ce qu'ils te répondent? Moi je suis plus fatigué que toi. C'est vraiment un vrai truc à part ça. Hein. Genre c'est vraiment la course à la fatigue. Qui est le plus fatigué? D'accord, ça vous est déjà arrivé? Genre tu parles à des gens, je sais pas, au boulot, etc. Tu leur dis, j'ai eu un gros week-end, je suis fatigué. Les gens te disent, moi aussi j'ai eu un gros week-end, gna gna gna. Putain, mais c'est bon quoi, c'est pas une course, c'est pas un concours. Je ne parle pas aux gens, bah c'est plus facile, ouais, effectivement. Cette zone est un peu plus compliquée que dans le jeu de base, on va dire là. Il est pas censé être là. Il est pas censé être là, le monsieur. Hein. Génial, le boss. Ouais, bah du coup, j'ai un boss ici, super. Je suis mort! Je suis pas mort! Je vais clairement crever. Oh putain, je sais pas comment je survis, hein. Kill ou chance? Vraiment, je vous promets, j'ai eu beaucoup de chance là. Chance que, comme tout ce que tu fais, je crois pas que c'est la chance que je fais. Est-ce que vous appelez ça de la chance d'avoir un chat qui fait que faire des blagues sur les cramptés et quoi couper dans le chat? Je sais même pas où se trouve ce monstre de base normalement. Ma Kwakubaka, la fraise d'Apagnan. Oula 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 oula. Calmez-vous. Je me fais atomiser la gueule.
Non mais attendez, qu'on soit d'accord. Qui a mis une putain de falaise là aussi? Désolé, il y a un moment aussi, faut être logique. Mais pas une falaise à côté des monstres. Prochain boss, je le fais quoi qu'il en coûte. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Mais vous le répétez pas, et surtout vous le répétez pas à mes parents. Hein. Quand j'étais petit, j'étais tellement un thug. Quand il y avait les films, c'était moins de 16, moins de 18, moins de 14. Je regardais quand même. Tu sais que ça peut être choquant? Ah mais c'est un monstre. Qu'est-ce que tu es? C'était un ours! Mais il a pas réagi. Comment ça, assassin, il m'aurait attaqué normalement? Bon déjà, il n'y a pas censé avoir un ours ici, c'est le mode hein, qui fait ça, mais... Il y avait un truc, je savais pas ce que c'était. Mais pourquoi il y a un... Mais pourquoi cette caverne est remplie d'ours? En plus, ils sont trop balèzes. Ils sont vraiment trop balèzes, ces mobs. Ils sont vraiment trop balèzes. Qu'est-ce qu'il fait là, putain de merde? Ah putain de merde! Oh mais merde! Putain, il faut que je bute, hein. Il faut que je tue, mais je sais pas quoi. On est parti le mauvais pied, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Je tente la course. Le problème maintenant, c'est l'ours. L'ours a disparu? Ah, pas du tout, non, il est là. Ok. Bon, la course jusqu'à là-bas, ça se fait. Vas-y, ça se fait. Ça se fait. Je suis mort, je suis clairement mort. Je pense que je suis mort, hein. Derrière, il y a des trucs partout, je... Ouais, cette grotte, ça... Ouais, non, mais mec, c'est quoi cette grotte? Salut, Link! Attendez, je crois que c'est le boss. Les gars, s'il vous plaît, priez pour un boss facile. Oh non. Putain, c'est le mec invisible. Ok, c'est le mec invisible. Je fais pas de dégâts, mais putain. Ok, il fait pas trop de dégâts, en vrai, ça va. C'est juste que, bah, il est invisible, quoi. Et ça, c'est galère. Ah! Pardon! Par contre, c'est scandaleux, ça. Hein. Ne panique pas. Dégâts, je lui fais pas de dégâts, je sais pas où il est. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Bon, c'est pas le pire sur lequel je pouvais tomber, non? Ça aurait pu être bien pire, non? Tellement chiant que je sois tombé sur ce boss. Du coup, ça va rien, l'invoque elle sert à rien. Oh! MJ l'invoque! MJ l'invoque! OMG, OMG, c'est trop fort, ok. Oh, c'est pas mal! Putain, c'est trop facile avec l'invoque. Attends, mais regardez ce qu'on est en train de lui mettre! Le gangbang! Vous avez vu ce qu'on lui met là? Oh, les loups, c'est incroyable pour ce boss par contre, hein. Il est coincé, il est presque mort. Putain, ce combat est passé de dur à trop facile. Aïe. Je pense qu'on peut, tous le dire les amis. Ce combat, si je l'ai gagné, c'est grâce à mon skill. Bon allez, j'ai qui comme boss? Oh, c'est relou. J'ai vraiment pas envie de me le faire. Oh, il est trop dur celui-là. Bon. Non, allez, là je le tue maintenant. Je voulais juste récupérer mes runes, j'en ai 4000. Ok, faut que j'arrive à lui mettre la putréfaction. Une fois qu'il y a la putréfaction, je joue tranquille. Ok. Allez, putréfaction. Je sais pas si je l'ai mis ou pas. Ça se passe mieux qu'avant déjà, J'ai perdu de loup, mais ça se passe mieux qu'avant. Ok, il a pas la putréfaction. Il doit pas être loin. Je vais esquiver. Putain, non! Putain, j'ai roulé dans les flammes, j'ai pas vu qu'il avait fait ça. Ça c'est pas mal. Allez, il y a la petite réaction. Ouh! Oh putain! Intérêt de dire moi pour se faire ban, eh ben on se pose la question justement. On aimerait bien savoir pourquoi le chat est comme ça. Il y a des gens dans le tas qui sont complètement teubés. J'ai pas vu arriver. Hein.
Merci de ne pas tout casser. Merci de ne pas tout casser. Et merde. Alors, c'est rageant ou pas? C'est rageant. Non, en vrai, ça va. Là, je m'en sors pas si mal que ça. Je sais pas, le chat, vous en pensez. Quoi? Mais. Je comprends pas comment il a réussi à faire ça. Hein. Mais il était stun. Il y a eu le bruit qu'il était stun en plus. Oh, karma instant. Bon, j'y crois pas du tout à ce combat. Hein. Salut toi! C'est normal que tu sois là? Non, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est beaucoup trop petit. C'est beaucoup trop petit. C'est beaucoup trop petit. C'est impossible. C'est vraiment trop petit en fait. Regardez ça. Allez. Est-ce qu'on peut lui mettre la putréfaction à lui? Ok. Mais mec, il est dans le vide. Comment je peux le tuer? Il est dans le vide. Non, mais je peux pas esquiver! Je peux pas esquiver! Je peux pas l'esquiver! Je peux pas l'esquiver! Je peux rien faire! Le jeu a dit non. Ah, mais quoi? Mais non, ça avait pas quitté! Mais. Hein! Mais non, le jeu a pas crash! Mais qu'est-ce que c'est? J'ai eu un retour Windows de merde. En vrai, l'attaque avec les cercles, je sais pas comment je peux faire. Hein. Salut NJ, comment tu vas? Vraiment, c'est une des arènes les moins adaptées à ce combat, hein. Vraiment. J'aime regarder les lives de Ring, ça ressemble pas à ça normalement. Ça ressemble. Roger! Ah, mais c'est pas Roger, c'est Rogier! Putain, il fait pas. Ok, vous voulez la blague de Répétec? Pète et Répète sont sur un bateau! Pète ton ballon! Qui reste-t-il? Je vous pose la question, qui reste-t-il? Bah Répétec! Vas-y, on enchaîne. C'est pas mal du tout. Vas-y, c'est bien, non, pas moi! Rogier! Non! J'ai rien compris. Et j'ai pas l'impression que ça va grand chose, Rogier, hein. Ça sert pas à grand chose, Rogier, non? Ça voilà. Viens par là, c'est pas mal là, c'est pas mal. On est pas mal. Oh merde, ça c'est l'attaque que je déteste. Ça c'est une attaque que je déteste. Adieu Rogier. Je m'en ai pas connecté, non. Ok. Allez, on y est presque, Samy, on est presque. Allez. Ouais, voilà. Oh putain. Regarde, c'est là, il est là, Godric. Il est là, Godric, les amis. Il est là, Godric. Les amis, qui est derrière le voile? Attention. Non, pas Malenia. On voit pas qui c'est. Attends, je vais pas rire tout de suite, mais... Est-ce qu'il y a les autres qui apparaissent? Non, Rogier! Non! Rogier, non! Non! Non, pas toi, Rogier! Rogier! C'est Rogier! Je pensais qu'on s'appréciait! Non, Rogier! C'est quoi la probabilité? Pas Rogier! Pourquoi, Rogier? Pourquoi? Je veux pas te tuer, Rogier! Adieu Rogier!
Putain, c'est pas si simple que ça en fait. Je me foutais de la gueule du truc, mais... Oh, c'est pas du tout simple. Et Roger, t'es un bâtard, hein. Ouais, je vais t'apprendre des sortilèges, tu vois, on sera méga potes. Et bam, premier moment venu, Roger m'attaque. Oh merde. On va quand même essayer d'attaquer la merde. Ah bah, il est mort. Allez, presque mort. Il est mort. Et après eux, il y a un dragon à battre, il me semble. Ok, il est mort. Parfait, un de moins. Je vais rouler très tôt. Oh, putain. Il est putréfié, il est putréfié. Dommage. Ok, one more. Voilà, enfin! Et voilà! Rien n'est petit, donc si c'est un gros boss, ça va être dur. Bah, imaginez, c'est le géant de feu. Ce serait pas fou. Attention, la réponse dans quelques instants. Margit, peut-être c'est Margit, hein. Nous avons. Ah! Ok. Ok, observez ça. Ça commence très très mal. C'est pas grave, c'est ok, c'est fine, c'est pas fine du tout. Ça va pas du tout. Mais loups, vous faites quoi les loups de merde? Mais les loups, mais putain les loups ils sont en train de se reproduire derrière. Mais tu te fous de ma gueule. Mais merci les loups, enfin prenez un peu l'aggro, aidez-moi là. Je suis mort. Je viens nous faire la roulade un peu tôt, c'est bon. Allez, concentré Romain, concentré. Ok, le poison de con là, le poison de cucu. Je lui ai enlevé un tiers. Ok, bientôt midlife. Quoi? Quoi? Ah oh, putain non, c'était les doubles gargouilles. Je ne peux pas le faire là, c'est impossible. C'est sympathique ce jeu quand même. Ah alors on est nul à chier. C'était dur en tout cas. Non. Il y aura pas de malignia. Par contre il y a ça, c'est très intéressant. Et attends mais c'est le chef, c'est la chef qui m'attaque. Mais tu te fous de ma gueule. La chèvre était plus dure que le boss hein. Et encore un dragon. Il est vraiment dur lui. Il est vraiment très dur celui-là normalement. Je vais me faire éclater la gueule si je le tente. Mais il y a un autre truc qui m'attaque aussi là. Lolo, c'est censé être un V1. Oh putain de merde. Ok, vas-y crame un peu les autres ennemis là. Oh là là. Ok, ça va le faire. Allez. Oh, mais non mais en fait il y a le truc. Voilà, il y a l'autre truc qui me suit à côté. Rien ce qui se passe, je comprends rien. Ok, il est midlife. On part sur mi. L'autre. Essaye d'avoir le contrôle du coup de ce monde. Putain de merde. Comme la mort, la vie, ce genre de choses. J'en ai marre mais putain le mec qui tire des flèches. Arrêtez, c'est bon. Putain, ils sont casse-couilles. Ok, on va faire ça je pense. Ah, les loups qui me bloquent c'est super hein, les gars. Vraiment c'est super les gars. Vraiment changez pas les loups. Allez. Merci, putain, j'ai plus rien, j'ai plus de vie. Tour RIP, il a failli me buter. Ok. Non, coup de pied rapide. Allez! Chaque fois que je te vois mourir, c'est un plaisir visuel pour moi. Chaque fois que je te vois ban, c'est un plaisir auditif aussi pour moi, t'inquiète pas. Hein. On peut faire un truc si tu veux, Aram, c'est à chaque fois que je meurs, t'es banni. Oh non. Putain, qu'est-ce que tu fais là, toi, bordel de merde? T'as rien à faire là, t'as Khalid normalement. T'as Khalid, et déjà, Khalid, tu casses les couilles.
Aïe aïe, oh, aïe aïe aïe, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut bannir Aram? Tu n'es plus banni Aram, c'est la main. What the fuck, ça me suivit comme ça, ok d'accord. Aïe là 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 là. Oh non, oh non, oh pitié, pitié, pitié. Monte, 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 monte. Non, il monte avec moi ce bâtard. Comment ça tu montes avec moi? Non, 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 non. T'es pas censé pouvoir venir là. Fuck this shit. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, non. Mais putain. Mais comment ça il est monté aussi? C'est un peu plus dur que le monstre de base. On est sur un truc un peu plus dur là. Ok. Timing de la musique, mais merci quand même la musique hein. Putain ça va pas être facile hein. Oh, il me déglingue hein, il me déglingue. Et je vois rien, je vois rien à la caméra, je vois rien, il est... Oh c'est big, oh là 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 là. Putain il m'a eu mais je vois, en fait je vois rien, je vois rien, je vois rien. On va le laisser venir, vas-y, on va le laisser venir. Putain, si je joue le magicien, c'est tellement facile là. Boum, boum, boum. Ah, c'est pas mal. Il va faire le feu, je pense. Il a pas fait feu. C'est ok. Il a la putréfaction. Ok, il a la putréfaction, c'est très bien ça. Il est bientôt mid-life. Il est bientôt mid-life, les amis. Allez, allez, allez. Je vois rien. Je vois absolument rien. J'ai rien compris, mais j'ai. Ok. J'ai voulu grid un peu. Je suis mort, je suis pas mort. Je suis mort, non! Ok, ça se fait. Mais please, monsieur! Putain, on est vraiment passé d'un essai incroyable à un essai nul à chier. Oh, Romain, nul à chier. Comment? Je vois rien, je sais pas où il est, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. Il fait le feu. Putain, ça m'a one shot, non! Ah, oh, ça m'a one shot! La first shot là. Oh là 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 là. Non, non, pas pitié, non. Je vais crever, je suis mort, je pense. Bon, du coup, là, normalement, il y a un boss, je sais plus le nom de base, je sais pas par quoi il va être remplacé. Donc, let's go redécouvrir qui... C'est Margit! Mais non, Margit! Attendez, parce que si c'est Margit, ça va? Comment il s'appelle l'autre? Mordog? Si c'est Mordog, c'est plus galère. C'est Margit, hein. Est-ce que je me rappelle du pattern? Le first try serait beau. Je me rappelle. Non, je me rappelle plus très bien du boss non plus. Ok. On n'est pas sur un first try, mais pas loin. Dommage. C'est qu'on va le tenter. On va peut-être pas lui tenter. Putain, je joue tellement mal. Je joue hyper greedy. Hein. Putain, je suis vraiment un gros con. Hein. Je suis vraiment un gros con. De mourir là-dessus, j'ai voulu finir trop vite et puis voilà. Géronimo! Voilà! Margit, je twerk sur ta gueule, Margit! Je twerk sur ta gueule, Margit! Voilà, Margit! Margit le caca! Alors, sur qui on tombe? Ça peut le faire, ça peut le faire, ça va le faire, ça va le faire.
Non, bon, en vrai, c'est... Bon, on va pas se mentir, et j'ai eu de la chance sur ce boss, c'était pas très dur. En fait, ça me fait un peu peur, parce qu'en gros, au début de ma run, j'avais que des trucs hyper compliqués, et on va dire que depuis la dernière fois, on passe sur des trucs qui sont beaucoup trop simples, et j'ai un peu peur que du coup, sur la fin du jeu, j'ai que des trucs méga chauds. Vous voulez qui comme boss? Il y aura pas de Malenia. C'est un mini-boss, il y aura pas de Malenia. Il y aura pas de Malenia. Arrêtez de forcer, putain. Le chat, si c'est le chat, c'est easy, hein. Les géants de feu. Ok, ça va. Putain, j'ai vu l'arbre et je me suis demandé c'est quoi ce truc. Ok, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Je suis le dom... Allez, à partir de maintenant, vous m'appelez le dompteur de dragon, ok? Je suis le docteur! Je suis le dompteur de dragon, les amis! Je suis en train de repousser le moment où on va à Kaelid. Je suis juste en train de faire ça là. Je suis en train de faire genre. Hé, c'est sympa, on va faire un petit peu les trucs sur le chemin. Oh, vous avez vu, il y a ça à faire. Oh là là, c'est très joli dans ce coin. Hein. C'est bon, je vais à Kaelid. Je vais à Kaelid. Je vais à Kaelid. What the fuck, bro? Oh, wow, calme-toi. What the fuck, mais s'il te plaît. Est-ce que c'est un fort vieux ou pas? Ça va. Oh, ils sont deux! Putain, j'avais oublié qu'ils faisaient ça! Ok, ok. Ça dégage! Merci! Des bombes partout. What the fuck? Attendez, mais je viens de faire. Oh, je suis un monstre! Oh, les moustiques, je vous déteste, mais du plus profond de mon cœur. Hein. Merci. J'ai tué trois lapins et deux bambis. Putain, mais. Assassin, mais j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Alberich, le railleur, a envahi votre monde. Merde. Ok, ok, ok. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, monsieur, 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 monsieur. Ok, ça va, ça va, ça va. Je suis bloqué dans le coin, je suis bloqué dans le mur. Ok, ça va aller. Non ! Putain ! Pour ceux qui se demandaient, voilà, Kaelid, ça monte direct de niveau. Hein. Ça, je réapparais ici. Ok, je peux pas invoquer. Insupportable, mais insupportable ! Oh, tu restes par terre, mon ami ! Et, mais t'as plus de mana au bout d'un moment, non ? Voilà ! Pour moi. Vas-y. Hop. Reste par terre, voilà. Voilà monsieur, le railleur, c'est moi qui vais rire. Okay. Oh, congélation en plus, c'est trop chiant. Comme ça. Eh non, t'as plus de vie mon ami. Et moi j'en ai. Bon, l'attaque sautée, c'était pas mal contre lui. Hein. L'attaque sautée, ça marchait vraiment bien. Oui. Non. Mais il est venu en fall of luce. Envahis-moi, putain, railleur de... Je me fais plus envahir. Ah voilà. Ok, Alberich. Vous êtes chaud ou pas? Je vais le détruire. Hein. Oh mais what the fuck. Si je remeurs contre lui, j'offre ma virginité à Xabab. Peggy 18. Tu restes à terre. Tu restes à terre, Alberich, le connard. Par terre, j'ai dit. Oh merde. Mais tu te... Mais ça le... Je me fucking... Mais putain, non mais c'est... Ça le stun pas. Mais... J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Non. Déjà, c'était facile, non? Putain, du premier coup en plus. Je saurais plus vous dire s'il est dur ou pas celui-là. Bonjour! Siluria du creuset. Enfin, c'est lui qui a des ailes après, non?
principal. Et les chevaliers creusés, c'est solide, hein. Ma victoire méritée dans quelques instants. Ma victoire méritée dans quelques instants. Mais quand je vous dis, le lore de Elden Ring, il est génialissime, vraiment. Alors que Pierre Radan, c'est un bon bro. Radan était super sympa, ouais. Radan voulait savoir à quel... Ok. Ah, il y a un boss ici, non? Attendez, attendez, est-ce que ça vous chauffe? Là au milieu, il y a un boss qui est assez compliqué. Est-ce qu'on va voir qui est à la place? Voilà. Bon, mais c'était ça le boss? Non, mais ça peut pas être ça le boss, ami, non? Je suis tombé vraiment sur la version Wish du boss, quoi. Parce que normalement, le boss de base, il peut être assez chiant. J'ai eu un peu de chance, quoi. Allez, go faire Radan maintenant, allez, stop. Ça sent le boss. Ah oui, ça sent le boss. C'est clair qu'il y a un boss là qui arrive, hein. Ferme ta gueule! Non! Vous voyez? Oh non! Oh non! Alors là, j'ai vraiment pas de chance. On est d'accord, c'est un double boss, non, normalement? C'est-à-dire que j'ai Astel plus genre une autre merde qui l'accompagne. Astel. Mais c'est Kalia, je crois. Mais wesh! Mais putain, mais. Oh, what the fuck? J'ai. Ok, ça va aller. Mais. Par contre, je préfère Astélix et Obélix. Non mais si... Il y a un moment où faut aller se faire foutre, non? À nous deux! Là, la reine est pas si embêtante que ça. Ok. C'est pas mal. Je m'en vais. Je vais t'en faire. What? Quoi? Il s'est passé quoi? Mais je me fais one shot, c'est trop chiant les amis, je me fais one shot. Je sais pas comment il prend les amis, je ne sais pas comment il prend. C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Mais je sais pas. C'est quoi cette attaque, nom de dieu, de bordel de cul? Qu'est-ce que je dois faire quand il fait ça? J'ai la flé, c'est les poires, je l'ai gleblé. Je comprends pas ce que je dois faire quand il fait ça.
Putain! Évidemment, eux, les ennemis ça les touche pas, évidemment. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup le Shigatana, vraiment. La flèche. Quoi? Ce jeu, des fois, quand même. Alors, normalement, ici, c'est une zone horrible où il y a des espèces de grosses mains qui nous attaquent. Je me demande ce que ça va être à la place des grosses mains, du coup. Manoir de Caria. Quel bâtard. Ouais. Je déteste ce moment. Je pense que personne n'aime les mains, vraiment. Ça va être chaud, hein. Je vous le dis, ça va être très chaud. Hein. Ça va être chaud! T'es insupportable, même. T'es insupportable. T'es insupportable. Allez, un de moins. Et de deux. C'est horrible, là, le moment. Bon, on va aller déjà voir le boss qu'il faut que je tue. On va déjà aller voir ça. Je crois que le boss est juste là en plus. Hein. Oh, par pitié, un boss pas trop chiant. Bon, c'est pas un boss trop dur, mais. On le cherchait, ce connard de loup cramoisi de merde. Vous savez quoi? Il prend vraiment cher. Vous savez quoi? Non. Je vais buter ce boss sans me soigner, vous allez voir. Et vous allez pleurer. Vous serez chez vous là. Vous serez chez vous. Vraiment, ça se fait. Damien, vous apprêtez à découvrir le meilleur perso du jeu. C'est pas Rogier, non, Rogier est mort. Rogier nous a trahis et Rogier est mort. Ah, regardez, c'est le meilleur perso du jeu. Se mettre au service de Rani la sorcière. Je vois, vous avez fait le bon choix. C'est un être bien singulier, peu aurait accepté cette proposition. Mais je n'existe pas moins de ceux qui me servent. J'attends que vous me donniez satisfaction. Venez les gars. Ah, c'est vrai que c'est vrai. J'aimerais prouver un ours à tuer. Aram m'a dit qu'il ne connaissait pas sa gauche et sa droite. J'avais une prof quand j'étais petit, et pas suite, hein. J'avais une prof quand j'étais petit de couture, qui un jour, quand on était arrivé en classe, elle nous avait dit « Prenez l'aiguille dans la main gauche !» Et après, elle avait fait « Et si vous ne savez pas ?» Elle avait vraiment cet accent, hein, je ne montre pas. « Si vous ne savez pas ce que c'est la main gauche et la main droite, c'est très simple. Sur la main gauche, le pouce, il va à droite, et sur la main droite, le pouce... » Il va à gauche. Et là, du coup, avec mon esprit rebelle, j'ai regardé, j'ai fait « Mais madame, j'ai un problème physiologique. Moi, sur ma main gauche, mon pouce, il va à droite. » Enfin, frérot. C'est honteux. Et je surkiffe l'arme qu'on m'a dit de prendre. Vraiment, Mushi Katana. J'ai clairement joué Katana cette game. Tu me tournes juste à... Oh, merde, j'avais pas vu. Comment j'ai raté cette merde, là? Comment j'ai raté cette merde de main que je déteste? Madame la main, est-ce que vous connaissez votre gauche et votre droite, vous, par hasard, ou pas? Comment elle fait, vu qu'elle elle a 52 pouces? Elle est infâme, cette main. J'ai pas lui demander un coup de main, je ferais ça, ouais. Voilà, ça dégage. C'est le moment, hein. Si vous voulez faire les jeux de mots sur la main, vas-y. Le meilleur jeu de mots sur la main recevra une dédicace dans la vidéo YouTube. Tu es chiant, Boris. Pourquoi la main a-t-elle été élue meilleure travailleuse de l'année? Parce qu'elle ne ménage pas ses efforts. Elle sait toujours donner un coup de main. Ouais, mais le coup de main, trop classique, le coup de main. Jeu de main, jeu de bien, ouais. Oh, j'ai failli me faire frenzy playing ma gueule, what the fuck. What? Non! Oh, tout sauf ça, tout sauf cette merde, la putain! Du coup, il a pas trop dit, vu qu'il remplace un boss pas fort, mais quand même. Oh non, j'ai la putréfaction de merde. Allez, j'ai pas le soin, mais je peux le tuer avant. C'est bon, il me faut juste une grâce. Une grâce, oui, vite avant que je crève. On peut finalement y aller, je crois. Are you ready? Are you ready? Ça y est. Les amis, général Radan. Allez, c'est parti, les copains. Bon, vous voulez voir qui est à la place de Radan? Vous pouvez voir qui c'est là ou pas? Malenia, vous avez, de toute façon, vous avez que cette, ce mot à la bouche. Malenia. Vous connaissez que Malenia, hein. Godric. Ah. Oh non, Godric, putain. Mais non, alors là, ça casse un peu le mythe, hein. Putain, le vieux Godric. Ah, mais what the fuck? Attends, mais il a pas autant de PV de Godric, normalement. What the fuck? Attendez, c'est quoi ce Godric sous stéroïde là?
ce qui est assez dur avec lui, c'est qu'il est vraiment très lent. Genre vraiment très lent. Et des fois c'est plus dur du coup. Vous voyez, il est très lent en fait, c'est ça qui est... Des fois c'est dur à esquiver ses attaques du coup. Vous avez vu la vie qu'il a? Vous avez vu la vie qu'il a ou pas? J'ouvre les roues. Mais wesh, la cinématique! Mais la cinématique, la phase 2, la cinématique. Je suis en train de me dire un truc, pouvoir faire Godric à cheval, c'est ultra cheaté, non? Genre c'est vraiment ultra cheaté. Tu crois que tu vas esquiver son attaque, en fait tu roules trop tôt. Ouais putain. En fait il a trop PV, il a trop... Non mais mec, c'est quoi ce sac à PV? J'invoque, vas-y, allez, vas-y. Allez copain, une volée. Allez copain, à l'attaque les copains. Putain, il va se faire détruire mon petit Godric là. Ouh, il va se faire détruire mon petit Godric, vous êtes prêts ou pas? What the fuck? Oh, tu sens que Godric il est pas fait là pour pouvoir se battre comme ça là. Ça devrait passer normalement. Ça devrait passer. Ça me donnait beaucoup d'âme en vrai plus. Allez les gargouilles, ça tombe maintenant. Ces putains de gargouilles de merde, ça tombe maintenant. Allez vas-y. Je peux le faire, je peux clairement le faire. Non mais c'est impossible. Vraiment, je ne comprends pas comment je peux faire ces gargouilles. Hein. Non mais il faut que j'améliore mes armes en vrai. Je suis désolé, je peux pas réussir ces gargouilles si j'améliore pas mes armes. C'est impossible. J'ai grave kiffé. What the fuck? Ah non, j'ai cru que c'était le clair bestial, pas du tout. Par contre, il est pas commode, genre. Il est pas commode du tout, là. J'ai raté la flaque. Depuis quand un loup, un lion crache de la glace? On peut m'expliquer? Un lion, ça crache du feu. Je vois rien. Et là, je m'en suis bien sorti là, attendez. Attendez, là, je m'en suis bien sorti. Voilà, merci. Au revoir, adieu. Je retourne juste après ça, baiser, baiser. Ah mais c'est toujours comme ça hein. What the fuck, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais what the... Mais qu'est-ce que ça fout ici ça? Mais qu'est-ce que ça fout ici? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh calmos, 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 calmos. Je me tire là, la fin de mon tir. Oh putain. Oula, c'est qui ça? Gilika, reine semi-humaine. Mais c'est une merde, non? J'ai dit en plus que c'était Godric, bah c'est grâce à toi. Et bah, Gilika, ça dégage, hein? On peut y arriver du coup maintenant. Est-ce qu'on lui fait beaucoup plus mal ou pas? Vous voyez une différence ou pas? Est-ce que vous voyez une différence? Attends, oui, il y a gigadif. Attendez, il y a gigadif, non? Franchement, je pense qu'on peut y arriver, vraiment. Le poison c'est insupportable, vraiment. J'ai dit le poison c'est trop chiant. Et en plus je suis empoisonné. Ça compte pas tout de suite. Ça... Oh mais purée, le pomme de cul. Oh c'est trop, je vois rien, c'est trop. Attends, je m'en rappelle pas. En fait bah vu que je... Que c'est ok, sinon je coupe avec TikTok. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Peggy 18. Mais il grimpe sur la tête de l'autre. Mais on dirait, vous savez, les petits au concert qui montent sur les épaules
les mecs. Et Malenia n'apparaîtra pas aujourd'hui, ok? Vous arrêtez avec ça. Non, du coup, je pense... Ok, j'ai une idée. On va faire Kaelid aujourd'hui, du coup. C'est ce que je voulais faire de base, en plus. Et après, on retentera le boss de merde que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les doubles gargouilles, qui m'a donné un petit peu de fil à retordre la dernière fois. La putréfaction, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi, les... Oula. From Software ou... What? Mais... Hein? Mais putain, je me suis fait niquer par un putain de piaf. Du coup là, c'est aussi pour ça que je fais un petit donjon, pour farmer un petit peu, monter de niveau, peut-être améliorer les armes, ça peut être utile aussi. Améliorer les invocations, changer d'invocation, plein de choses qu'on peut faire en gros. Et avec tout ça de fait, je pense qu'on pourra faire les gargouilles. Parce que pour ceux qui étaient pas la dernière fois, je crois que je suis resté, allez quoi, 1h30 sur les gargouilles la dernière fois. On est vraiment resté longtemps sur les gargouilles. Oh, what? Non mais mec, c'est quoi cette zone de... Je suis mort. What? Non 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 non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ok, je vais rush jusqu'à là-bas. Oh, c'est une dinguerie. Quelle zone de merde. J'ai raconté que j'avais des cochons d'Inde quand j'étais petit. Et que, une fois, bah on les castrait parce qu'on avait genre 10 cochons d'Inde. Et on castrait les mâles pour éviter qu'il y en ait plus. Et en fait, il y en a un. On n'avait pas vu que c'était un mâle. Et je crois qu'il y avait 5 mâles, 5 femelles. Autant vous dire que le mâle s'est fait plaisir. Et qu'on a eu des cochons d'Inde. Je pense qu'on a eu des cochons d'Inde pendant 15 ans après. Vraiment sans déconner. Hein. Le mâle a mis enceinte absolument toutes les meufs. Et je sais plus, on est monté à 25 cochons d'Inde à un moment. Vraiment, c'était une dinguerie, bro. C'était n'importe quoi. Ok, oh, c'est lui. Bah, en parlant des animaux, c'est le petit chat de merde. Je vais quand même invoquer ça. T'es un petit chat veilleur de l'arbre monde. T'es un gros nul. Nulos. Il a de la vie quand même, hein. What? Ok. C'est passé une base. Ok, c'est passé une base. Ok, ça va aller, ça va aller. Attends, il y a les petites merdes avec lui. Attends, il y a les petites merdes avec lui. Quoi? Non. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, 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 non. Attendez, 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 attendez. Pourquoi vous avez autant de vie? Mais what the fuck? Ok, ça va aller. Avec lui. Oh. Ok, ok, ok. Un de moins. Ah, je me suis pris un giga karma là. Ouais. Vraiment une grosse merde. Mais je me suis pris quoi? Pourquoi j'ai... What the... On va prendre les patterns au moins. C'est une dinguerie, hein. Oh là, mais mec. Allez, viens par là. Viens par là, viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Il est bugué? Oh, dis-moi qu'il est bugué. Oh, par petit, t'es bugué. Ok, t'es pas bugué, t'es pas bugué, t'es pas bugué, t'es pas bugué. Ok, t'es pas bugué. Y'a pas de bug, y'a pas de bug. Et trois loups, normalement, ça tue un ours. Ils sont où mes loups? Ils sont où mes loups? Ils sont où mes loups? Ils font quoi? Attendez, mes loups, je crois qu'ils sont... ils se battent contre la plante de merde. Super, j'ai récupéré une runderé, ça fait que je peux pas esquiver. Ok, merci les loups, en fin de retour. Non! Je suis pas mort, je suis pas mort, je suis pas mort. Il me reste une potion. Il était solide quand même. Manger du melon. Ah, mais y'a un boss là! Attendez, attendez! Non, cette musique, attendez. C'est Oralou! Oh putain de merde! Ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller! Tout est sous contrôle! Tout est sous contrôle! Ok, ok! Oh, je fais vachement. Ok, ça, je lui fais des dégâts, il me one-shot pas, ok. Vas-y, viens, 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 viens. Esquivez! Ça, facile! Qu'est-ce qu'il fait là? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Soigne, c'est ok, c'est ok, viens ici mon petit. On va dire heureusement qu'il a été randomisé à la place de Dragon Magma. Il aurait été randomisé à la place de Malenia ou autre, ça aurait été très compliqué. Non! Je suis pas mort. Ok, c'est pas mal. Je lui fais très mal. Il me fait mal aussi, mais je lui fais très mal. Ça va le faire, hein. Je lui dis ça va le faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, boss. Allez, pas un truc trop chiant, 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 pas un truc trop chiant. Encore. Putain, c'est une dingue. C'est un truc de ouf. Pourquoi il est pas invisible? Putain, je me rate à chaque fois. Pourquoi il est pas invisible? Contre Z VIP un jour, peut-être, je sais pas, mais c'est pas prévu pour l'instant. Attends, j'arrive pas à l'attaquer. Voilà, je reste à terre, monsieur. J'espère que vous avez apprécié ce boss parce qu'il est presque terminé déjà. Monsieur. Il est pas invisible de base? Bah non, j'en ai déjà battu un qui était invisible, je sais pas pourquoi il est pas invisible là. Il y en a sûrement plusieurs quoi. Bon, du coup, troisième église de Marika. On retourne aux gargouilles. Putain, je vais regretter, hein. Je vais vraiment le regretter. Ça m'énerve déjà les gargouilles là, ça m'énerve déjà. Bon les amis, c'est l'heure de défourailler cette gargouille. Allez, je peux le faire Romain, je peux le faire. Oh, j'ai raté deux attaques. Il y a le poison. C'est la merde, c'est la merde, c'est... Je déteste ce boss de merde.
pas eu le temps de rouler, putain. C'était sur là. Je suis mort, putain. C'est la bonne là. Moi aussi je sens que c'est la bonne, Zerfiz. Putain. C'est toujours là. C'est un mort. Je peux partir et revenir plus tard. En fait, ce boss bloque toute une partie de ce que je peux faire. Allez, je le retente encore une fois et sinon je change de côté parce que j'en peux plus de ce boss de merde là. Ce combat est vraiment trop dur, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est impossible. Non mais c'est trop dur, la salle est trop petite, il y a trop de choses, c'est vraiment... Ce boss, je lui chie dessus, matin, midi et soir, je n'en peux plus. C'est le draconide, ok. Vas-y, hein, c'est parti, ça marche. Est-ce que je fais ça tout de suite après, je sais pas, ça me fout pas en vrai. Wow. Bon, j'ai fait les dégâts, il me one-shot presque, mais... Pas mal ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis mort. Ah, ça freeze! Bon, on va pas refaire ce combat. Ça freeze de fou là? Ok. Et en vrai, je pense qu'avoir la lame imitatrice, ça peut être. En vrai, c'est l'idée du siècle. Merci beaucoup. Je récupère l'invocation lame imitatrice. Les gargouilles, ça tombe tout seul après. Hein. Mais tout seul. Très bien aussi, je pourrais améliorer l'arme. Ouh, c'est très très bien ça. Oh, attendez, mais s'il y a des pierres de forge ici, c'est incroyable. J'ai sauté trop, je suis trop con. Franchement, tous les boss qu'on a croisés jusqu'à maintenant, c'était... Encore une gargouille! Non, c'est un dragon. C'est un dragon? Ah mais c'est ça là, l'ami... Attends, c'est bon, c'est là! C'est là! OMG, c'est bon. Je débloque la lame imitatrice. Je la mets et on va se faire les gargouilles. J'espère juste que c'est pas un boss trop dur. Ah, c'est pas là le boss? Non! Ok, ça, c'était le rêve. Ok. C'est pas Seigneur de Sang, donc c'est qu'il est faisable. Je vais le détruire. Écoutez-moi bien. Si je meurs sur Mug encore une fois, je m'engage. Je suis avec mes vieux loups qui servent à rien là. Je pense que ça peut passer, hein. Il faut vraiment que je sois full focus. Bon. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Oh, est-ce que ça vaut la peine? Je vais arrêter de me fâcher contre lui parce que normalement tu peux invoquer un allié de ce que j'ai vu. Ah! Non, c'est vrai. Tu sais où c'est? Attends. Pour les doubles gargouilles, je peux invoquer un allié? Oh, par pitié, dis-moi que c'est vrai. Ouais, je crois qu'il n'y a pas. Hein. Non, il n'y a pas. J'en peux vraiment plus ce jeu-là. Ok, 4 potions. Tout ça pour 10 000 putains de runes de merde hein. 10 000 runes. Oh. Là c'est le boss majeur en fait. J'espère que je tombe pas sur un boss de fou. On va voir. Et du coup je pense qu'il va se passer là, c'est que je vais rouler sur la zone hein. Oh, wesh. Y'en a marre, y'aura pas de Malenia, ok? Y'aura pas de Malenia. Alors, qui est à la place de Renala? Attention. Y'a personne. Donc voilà, ça c'est Renala de base. Enfin ça c'est ses élèves. Hey!
Le problème, ça va être la deuxième phase, ça va pas être elle. Parce que là, vous vous dites, ah, ça va, ça va. Là, c'est maintenant le problème. Arrêtez avec Malenia, putain. Non, pas Paradan, pas Malenia, s'il vous plaît. Le jeu est sympa, hein. Le petit grid de fin. Ça fait quand même du bien de pas avoir que des trucs trop durs là. Par contre, ce qui me fait très très peur, je vais pas vous mentir, c'est que des boss comme Radagon, Malenia, Adan, ils sont toujours pas tombés. Et s'ils remplacent des boss vraiment chauds, ils vont être encore plus durs. Ok. Il me reste énormément de boss forts là, vraiment. Attends, il a beaucoup de PV là. Attends, c'est moi ou il a vraiment beaucoup beaucoup de PV? C'est moi ou il vient d'invoquer une armée? Attends. What? Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire par ici? Ouais. Je pense que si récupérer la carte, ça peut être sympa. Ce genre de choses. C'est pas une gargouille, c'est la gargouille. Non, c'est mort. Malenia, le géant, s'il te plaît! Ah, c'était galère, hein. Allez, les amis, premier boss! Première victoire ou pas? Vous êtes prêts à avoir une giga victoire? J'ai raté tous les coups. Ok, bon, je fais quand même des dégâts, ça va. Allez. Si je reste sous son cul, j'ai pas de soucis, mais faut vraiment que j'arrive à rester sous son cul. Quoi, j'ai raté? Putain, je rate tous mes coups par contre, hein. Je vous le dis, je ne meurs pas contre lui, hein. Voilà! Oh merde! Là, je crois qu'il y a des boss là-haut. On va voir qui c'est. Est-ce qu'on a des boss difficiles ou pas? C'est qui ça? Putain, je crois que j'ai des boss faciles. Et j'ai trop de chance là pour. C'est un truc de ouf. J'ai trop de chance. Ils sont nuls à chier, je crois. Peut-être invoquer les loups juste pour. Voilà, j'invoque les loups pour prendre l'aggro sur un. Comme ça, je peux attaquer l'autre. Faut vraiment que je change d'invoque par contre. Oh, je fais... Le feu! Le feu de sa mère! Putain! Non, mais c'est un peu. Attends, je vais récupérer mes runes. J'ai quand même 30 000 runes à récupérer. Ce combat me paraît compliqué quand même, non, en vrai. Je vais tenter un truc. Tu me mets genre là, est-ce qu'ils viennent les deux ou pas? BAM! Un de moins, ok, plus que l'autre, c'est pas mal. Je vois rien, attendez. Je vois rien. Il me reste deux potions, faut pas que je fasse la merde, ok. J'ai trop de chance, ils sont nuls à chier, je crois. Ce boss, je vais vraiment galérer. Je déteste ce boss. Je fais beaucoup de dégâts au moins. C'est pas fou, hein, c'est pas fou. Il picote. Calmos le poulet. On retourne à la basse-cour. Ok. Oh! Aïe. Ah, mais il y a un petit boss là. Ah, ça c'est sympa ça. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai qui là? Ancien héros de Zamor, ça va. Je fais pas la merde, ça va. Je voulais le stun, j'ai raté. Ouais, il est... Il fait quoi là? Ah mais ça a pas craché. What the fuck? Attendez, ça a pas craché. Putain, mais ça avait pas craché. Mais ça avait... Mais non, putain, c'est un retour Windows, ça a pas crash. Allez, reste tranquille mon ami. C'est un first try. Ok. Vas-y, viens. Mais ça va le faire évidemment, parce que je suis le grand Romain Jacques. Monsieur? Moi, oh, je fais quand même mal. Ouais, il fait quand même mal aussi. Ouh, c'est pas mal ça. Et je m'en sors bien aujourd'hui, non? J'ai une chèvre qui m'attaque, moi deux. Mais la chèvre de merde! La chèvre, elle m'a niqué! Mais la chèvre! Si je meurs à cause de la chèvre, je suis en train de crever à cause d'une merdique de chèvre, là! Mais casse-toi!
je meurs à cause de la chèvre. Je vous promets que je meurs à cause de la chèvre. Mais elle m'a mis un coup au moment où j'allais achever le boss. Non mais c'est une putain de blague. T'as pas de chèvre pour t'aider cette fois-ci. Putain, ça fait chier, j'ai failli la first try et... Non mais j'en reviens pas hein. Dommage. Enroulé. Putain, j'ai pas l'esquiver celle-là, attendez. Oh. Allez. Dommage, j'ai brûlé beaucoup trop tôt. What? Non, quoi? Oh, ça va être dur ce boss, hein. Il va être dur ce boss, il va être très très dur ce boss. Je suis mort. Ok. Je déteste ce moineau. Déjà dans ma partie de base, je le détestais, ok? Putain, et je me suis fait tuer par... Je me fais que tuer par des animaux, une chèvre et un putain de moineau. Et aujourd'hui, on enchaîne vite à part ça. Hein. Normalement, je reste. Normalement, je suis plus haché au jeu. Là, ça se passe bien aujourd'hui. Croisez les doigts, s'il vous plaît. J'ai deux boss qui vont arriver. Il ne faut pas Malenia et il ne faut pas Radahn. Le pire, ça serait Radahn et Malenia. Vraiment, là, le combo des deux serait terrible. Vous voulez Malenia? C'est marrant parce qu'il s'est inversé avec. À la place de lui, j'avais eu Godfrey justement. J'avais eu cette petite merde là, la chimère, je sais pas quoi. Vous voyez pas non plus Free, hein. Faut pas que je fasse la merde. Merci beaucoup, mon Flo. Carl. Après je me souviens pas non plus ton pattern donc faut juste dire que... allez. Ok, cette attaque le stun c'est très bon ça. Vous savez que je sais pas pourquoi je sens aussi que c'est Malenia. Vraiment un sentiment que c'est Malenia là-haut qui m'attend. Mais comment... Non, quoi? Non, pas non. Non, c'est Ricard. Il me faut l'arme pétée, je peux rien faire là. Je peux pas le tuer du coup. Ok, j'ai l'arme. Allez, d'accord. Allez, ça part sur un first try. Je me rappelle pas du tout comment il fonctionne. J'ai fait qu'une fois. Ok, je crois que j'ai stun. Je l'ai stun, mais je savais pas comment. Ok, ça se passe pas mal, en vrai. Reste, je comprends rien ce qui se passe. Ok, c'est pas mal, j'ai nouveau stun. Attends, c'est un no-hit là? C'est pas un no-hit, ok, c'est pas un no-hit. Je comprends rien ce qui se passe, je comprends rien. J'ai rien compris. J'ai défoncé. Putain, mais j'en reviens pas d'avoir tué si facilement. Par contre, on en parle de ça? Ok, attendez, faut que je me concentre. Faut que je me concentre parce que lui, il est pas commode du tout. Et en vrai, je tape plus fort que la dernière fois. J'ai plus de vie. Il y a clairement moyen que ça passe là. On est trop tôt. Mais arrêtez de mourir là. Allez, bientôt midlife. J'avais jamais mis midlife avant, en vrai. Hein. Avec les quelques niveaux en plus, ça m'en sent à 10. C'est pas mal. Il faudrait que je mette un petit coup de saignement et ce serait parfait. Ça y est presque. Allez, faut y croire. Il est enfin tombé. Les hommes, c'est le plaisir. Je verrais bien un Godfrey en vrai. Oh là 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 là! Oh le devin! Oh là là! Non, attendez! Incroyable! Non, attendez, s'il vous plaît! Incroyable! Comment ça chance? Mais je m'en sens trop bien là! Je suis en train de le manger, hein! Je suis en train de le bouffer!
Ok, je ferme ma gueule, c'est bon, je ferme ma gueule. Il vient de se boost. Je l'ai bouffé. Oh, je l'ai bouffé. Oh, Godfrey, je twerk sur ta tombe, Godfrey. Je te twerk sur la gueule. Oh, je l'ai bouffé. Oh, je viens de bouffer Godfrey. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? C'est pas normal, non? Qu'est-ce que vous voulez comme boss? Normalement, c'est les doubles gargouilles qui sont horribles. J'ai eu les doubles gargouilles à la place de Lucram et Serradago, c'était horrible. J'ai que Malenia à la bouche, de toute façon. Y'a quelque chose au bout du pont ou pas? Y'a quelque chose d'important au bout du pont ou pas? Je veux le géant de feu. Bah, la reine, elle est trop adaptée au géant de feu, en vrai. Allez. Ah, attention. Ah, je vois quelqu'un. C'est... Oh là 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 là! Oh, vous voulez voir une destruction? Est-ce que vous voulez voir une destruction? Voilà, reste à terre. Voilà, reste à terre. Invocation, c'est ok. Putain, allez, allez, allez. Tellement avancé aujourd'hui. Je voulais voir Malenia. On fait encore un dernier boss ou bien? Qui remplace Astel? J'ai eu quand même pas mal de boss faciles aujourd'hui. Moi, je pense Placidus Axe. Et j'ai vraiment trop de chat, hein. J'ai... Et j'ai vraiment trop de chat, hein. Je sais pas si je peux mettre du saignement. Y a des jambes de dragon, je suis pas en train de rêver. C'est vraiment des élèves ça. 86 000 runes pour ce combat. Vous savez que je suis en train de me dire un truc, c'est que je suis en train de me choper tous les boss faciles du jeu. La prochaine session Elden Ring, elle va être hardcore, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances qu'on tombe sur Malenia aujourd'hui? Du coup, j'ai même pas expliqué le concept pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur Elden Ring en mode randomizer, c'est-à-dire que tous les monstres, tous les boss du jeu sont randomisés. Donc ce qui veut dire que je peux tomber sur le boss final au premier boss, et c'est ce qui arrivait d'ailleurs dans ma partie, comme je peux avoir plein d'autres choses assez rigolotes, vous allez voir. Et du coup, le but c'est d'essayer de terminer le jeu en mode randomizer et c'est pas si facile. Voilà, voilà. Et là, je me dirige dans un château normalement où il y a un boss qui est assez chaud. Donc je me demande un peu, je peux descendre? Là, non. Je vois un petit peu ce que ça va donner parce que en gros, selon le boss sur lequel il est randomisé, et bah je vais vraiment galérer. Donc oui, comme je disais là, je vais dans un endroit où il y a des boss qui sont assez balèzes. Donc selon le monstre sur lequel je tombe en randomisé, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Genre là, si je me tape une Malenia pour le Mont Galimir, je vais vraiment galérer. Genre en premier degré, ça va être super dur. Grotte volcanique. Je découvre une zone, j'avais jamais vu cette zone. Même dans ma première partie, j'avais pas vu cette zone. Ça dégage. Bon, presque pareil, hein. Franchement, presque le même niveau. Entre Malenia et les soldats cristallins, vraiment, c'est... C'est vraiment la... C'est... On est sur la même difficulté, hein. J'ai tué le trio, mais pas encore le duo. Ouais, c'est pas le boss le plus dur, hein. La musique est très épique, hein. J'espère que vous avez apprécié ce combat. C'est vrai qu'il y a un boss dans pas longtemps là, j'ai oublié. Ah bah il est là-haut d'ailleurs le boss je crois, oui c'est avec ça. Il y a un boss juste maintenant. Vous êtes prêts pour un petit boss? Et merci Tass pour le... Non 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 non. Attends. Oh putain Ça va aller, ça va aller. Peut-être je peux le faire. Ok, je lui fais des dégâts en vrai. Ouais, je peux le faire les amis ou pas? Est-ce que je peux le faire? Ça peut se faire. Oh putain mais tranquille. Là. Ok, allez. Ah oh, putain, ça touche derrière, fait chier. Facile à esquiver ça. J'ai raté vraiment. Allez, concentration, concentration. Allez, midlife. Et quand il y en a une, c'est quand même plus simple, hein. Allez, viens. Voilà, dans le genou. Oh putain, je savais, mais je pensais que j'étais trop loin. Ok, la merde là, faut que je me soigne. Ok, j'aurais pas dû attaquer, c'est ok. Allez, la fin. Non ! Putain ! Oh putain, tu te fous de ma gueule ! Et au lieu de vous moquer, vous pouvez envoyer un peu de force là. Au lieu de dire chè, envoyez un peu de force, non ? Vas-y, viens par là. Toi, t'es à moi.
putain. C'est la première fois que j'arrive à la stun. Ok, c'est bien, c'est bien. Aïe, allez les amis, je peux pas mourir là. Je peux pas crever. Let's go. Et troisième essai, c'est pas mal. Et troisième essai. Un chemin par là. Très très juste, il y a vraiment un chemin par là. Ok, c'est moi qui n'ouvrais pas les yeux. C'est moi qui n'infléchissais pas. Jambon, tu parles d'anus. Oh merde. Il a l'air chaud lui. Non ! Il m'a raté ! Quelle grosse merde, il m'a raté ! Il est nul à chier en fait. Ouais, ah non, c'est trop fort ça ! Ok. J'ai failli me faire one shot, tu te fous de ma gueule ? Je viens par là, mon petit. Vraiment ? Waouh, c'est quoi cette zone de faux furieux là ? Attendez ! Wouah, c'est une zone de malade ! Ça... Wouah, c'est tellement dur cette zone ! Oh ! Ok, dégage. Je sais pas ce qu'est la zone la plus dure du jeu. Ceux qui connaissent un petit peu, vous diriez quoi? Je pense Elphael juste avant Malenia. Ouais, t'as raison. Quel beau caleçon, on est d'accord, non? La marée de putréfaction écarlate est horrible. Putain, c'est vrai qu'il y a ça encore. Je l'ai vite fait passer, mais j'ai pas trop tapé ce qu'il y a dans la zone. Mais c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Il faut savoir que From Software a une fâcheuse habitude, c'est que dans chacun de leurs jeux, ils mettent une zone de merde avec masse d'empoisonnement. Horrible. Chaud, dur. Cette zone est vraiment dure, hein. Heureusement, le feu, c'est fort contre les fleurs. Une échelle, c'est pas un assassin. Oh, le comité d'accueil, par pitié quoi. Oh, mais par pitié, y'a de la lave en plus. Oh, je suis mort, c'est une putain de blague. Non, mais c'est un truc d'eau, c'est un enfer. Vraiment, je me suis fait agresser, hein. Oh, mais mec. Mais s'il te plaît, s'il vous plaît. Oh, cette zone de l'enfer, Qu'est-ce qu'on a comme boss? Pourquoi y'a pas de boss? Non, mais c'est toi qui remplace le boss? Le dragon a été remplacé par cette merde là? Le dragon est passé comme un boss, mais un mob normal. Du coup, le dragon s'est transformé en vieux squelette de merde. Un peu triste quand même, non? Bah écoute, on va aller faire le sanctuaire du coup. Hein. Ça vaut pas la peine. Allons faire le sanctuaire, je crois qu'il est juste en plus. Là, on va avoir un vrai combat de boss. C'est Banapro, je pense dans l'église, le pire truc qui pourrait m'arriver, c'est le géant de feu. Si j'ai le géant de feu dans l'église, je sais pas comment je fais. Hein. Malenia. J'ai l'impression que c'est un truc trop nul. C'est qui ça? C'est Gideon, tu te fous de ma gueule? C'est Gideon habillé en sanctuaire. Attends, what? Il y a trop de choses là. Déjà, pourquoi Gideon est habillé en sanctuaire? Pourquoi? Et secondo, pourquoi il fait aussi mal là? Attends, il fait pas aussi mal normalement. Gideon, c'est un boss de merde normalement. Par pitié Gideon. Par pitié, mais stop. Mais mec, mais quoi? Je me fais laver. Il se soigne en plus ce bâtard. Insupportable. Une blague. C'est une blague. Je me fais laver. Il est horrible ce boss. Il est vraiment horrible. Ouais, je vais vous aussi. Voilà. What? C'est quoi ces dégâts? Mais c'est un truc de ouf. C'est quoi? Mais... S'il vous plaît, c'est pas normal ce qu'il met comme dégâts là. Je me fais arracher la gueule par Gideon. Deux fois 0, ça fait toujours 0. Mais quel massif brin ce Romain. Oh. Allez, on invoque.
Il était vraiment insupportable, j'en pouvais plus. Faut voir monsieur Ricard, vous êtes chaud ou pas? Les amis, oubliez pas, Ricard, j'ai deux boss qui vont tomber. Ça peut être très dangereux, hein. Ça peut être très dangereux hein, pour Ricard. À mon avis, le boss qui remplace Ricard va être très 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 fort parce que Ricard a une gigantesque barre de vie. Maintenant, t'as besoin d'une arme spéciale pour le tuer. Donc, je pense que si quelqu'un remplace Ricard, il aura beaucoup beaucoup plus de PV qu'en mode normal et ça va être très très dur. Donc là, le boss qui remplace Ricard, ça va être vraiment chaud à mon avis. Je comprends rien ce qui se passe. Putain, c'était quoi ça? Je ne pouvais rien faire. Les mobs aussi sont random. Oui. Putain de merde. Oui. Par pitié, par pitié. Mais c'est bon. Laissez-moi jouer. Je suis plus très fier en plus. Il fout de ma gueule. Mais laissez-moi jouer. J'en peux plus de ce jeu. Ah! Je cours. I'm running. Where do I run? Non! Fous-toi pas de ma gueule, toi. J'en peux plus. Reste tranquille. Putain. C'est Blue Chain. J'en peux plus. Cette zone. Non. Tréfaction de merde, c'est une blague. Putain, j'en peux plus. Putain, j'ai fait un bridge. C'était quoi comme animal que je viens de faire là? Ça dégage. Zone de l'enfer quand même, hein. Cette zone de l'enfer, hein. C'est un peu la merde, on va assez vite, hein. Je crois qu'on est en train d'assister à une scène d'amour entre un mur et... Ah oh, le... oh, 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 non, pas vite, j'ai rien fait. Mais what? Ah, mais Mick, c'est un film d'horreur. Mais laissez-moi tranquille la main. Je peux pas passer. Mais mec, c'est un truc de ouf. Non mais louche. Bon les amis, normalement c'est le téléporteur pour Ricard. Et là faut juste croiser les doigts. J'en viens Radan et Radagon. Radagon, RR. Malikette. Ah, autant vous dire que celui-là il est pas... Et c'est que la première phase. Wow, ok. Après, il a pas ses poteaux pour esquiver, donc ça c'est pas mal quand même. En gros, Malikette, dans son arène, il a plein de poteaux sur lesquels il jump. Esquiver ça, dommage. Non. Dommage. Ok. Bah, éteint. Non, ça me touche vraiment. Mais oh what? Mais mec, ça, il fait de la capoeira. Pff, allez, ultra instinct, les amis, ultra instinct, vous êtes prêts? C'est très dommage, ça. L'attaque à esquiver, c'est un enfer, hein. Il va finir par tomber. Le problème, ça va être faire les deux à la suite. En fait, j'espère vraiment, je prie pour que le deuxième boss soit facile. Ok, phase 2. Là, si j'ai pas un boss trop dur, je peux le faire. Allez, par pitié, pas un boss trop dur en phase 2. Et nous avons donc... Ça va, c'est faisable, ça va. Bon, oh, il a beaucoup de vie par contre. Allez. C'est dommage qu'il ait plus de potions, hein. Ok. Je fais n'importe quoi, ça m'énerve. Non, j'ai pas eu ton... Potion, ça se fait là.
Attention! Oui! Ouh! Merci pour les GG. Oh putain! Maniac, ta chance, ça sera le boss final. Bah, si Malenia remplace le boss final, ça va être chaud. Hein. Là, comme boss que je suis pas sur lequel je suis pas tombé encore en randomizer, il y a Malenia les deux phases, Géant de Feu les deux phases, Radahn. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit boss là-bas, ouais. Oh putain, regardez ce qu'il y a là. Regardez, ils sont buggés. Regardez, ils sont buggés. Ah, ils sont pas si buggés que ça en fait, pardon. Voilà. Bah écoutez, on peut commencer à se diriger vers le géant de feu en vrai. Hein. L'autre petit géant de feu, je pense qu'on peut commencer à le voir. Hein. Aïe. Alors allons voir ce sanctuaire cher. Je sais plus dans quel moulin. Dans les premiers. Putain, mais c'est bon là. J'en peux plus de ces fucking gargouilles. Vraiment, j'en peux plus de ces merdes. Mais putain, mais. Attends, mais c'est pas le boss? Attends, on est pas là à la place du. Attendez, elle est pas là à la place du boss? What the fuck? Allez. Oups. Je suis mort contre lui. Je suis vraiment mort contre ça. Hein. Je suis vraiment mort contre ça. Vous vous dites, dites-vous ça quand même. Hein. Je suis mort contre cette merde. J'ai vraiment deux monstres insupportables à battre. Hein. Ok. Ouais, non. Je déteste vraiment. Waouh, par pitié le jeu! J'ai pas le temps de jouer. Non mais pardon, non mais stop! Tête de citrouille. Ça aurait pu être pire. What the fuck, 63 seulement? Attends, pourquoi ils sont aussi résistants? Par contre, on en parle de la probabilité que je tombe sur. Oula, deux têtes de citrouille. Pourquoi ils sont aussi résistants là? Ah ok. Ah, il y en a une qui est presque morte. Ok. Une. Oh je suis trop con. Je fais n'importe quoi. Attends, je suis pas concentré. Putain, t'as 4 fois, ou 2. 5 fois. C'est bon. 6 fois. Et je sais vraiment pas l'esquiver lui, je sais pas quoi. Oh, je suis vraiment une merde, je vais mourir. Je suis pas très bon hein. Je suis mort contre des citrouilles. Ok, et là normalement c'est bon, on reste la plus simple. Wouh! Le try, ouais, j'aurais dû le faire en 1, franchement. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Y'a un boss ici normalement ou pas? Ah ouais, elle fait vraiment mal. Ok, ça va être chaud. Je lui fais pas de dégâts. Ciao! Je vais crever. Ciao! Comment ça, pleutre? Je le tente ou pas? Vous êtes sûr que vous voulez que je tente, hein? Merde. Ouais, je peux rien faire, là. Elle me gave, cette attaque, elle me gave. J'ai pas du tout de timing pour l'arrêter. Je voyais rien ce qui se passait. C'est mort, je pense, hein. Ah, je suis pas mort. C'est évident celui-là, hein. Tu meurs une fois contre lui, je ne mourrai pas deux fois contre lui. Ça. Vous voulez vraiment que je fasse ce boss? Oui Romain, t'as pas le choix. Putain mais box elle touche avec les pieds quoi, c'est insupportable. Pour toi. Allez. Pas mal ça. Allez, c'est pas mal. J'ai pas le timing de cette merde, c'est chier. Ça me touche vraiment.
Top avec cette attaque, s'il te plaît. Je veux plus. Non, mais les hitbox, ils sont pétés avec lui. Je vais crever. Il est très très chiant ce boss. Hein. C'est quoi la plus grosse insulte que vous avez dit de votre vie? Moi, une fois dans ma vie, j'ai dit fichtre. Il y a une technique de speedrun ici pour skip une zone. Vous voulez voir à quel point je suis un speedrunner? Allez, attendez. Vous voulez voir une technique de speedrun ou pas? Alors? C'est nul! Là, on arrive au géant de feu. Alors, qui est-ce qu'on a à la place du géant de feu? Il ressemblait à ça, hein. Il ressemblait à ça, hein. Avouez qu'il ressemblait à ça, hein. C'est vraiment le boss qu'on avait, là, hein. Le même boss. Il y a deux phases, donc là. Là, je rigole, mais selon la deuxième phase, je vais moins rigoler. Putain, il est stylé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième phase? Ok, là, ça va jouer. D'accord, ok, là, ça va jouer. Là, ça va jouer. Ok, là, ça va jouer. Là, ça va jouer, d'accord. Ok, on va se refocus un peu. Ouais. Ok, d'accord. Bonjour, monsieur. Je vous présente le boss final, Radagon. Oh, putain, d'accord, ok. Attends, je vais refaire tout le chemin à chaque fois? Non. Boss final, boss très stylé. Mais vous inquiétez pas, là, vous savez pas encore, mais j'ai fait exprès de mourir une fois pour donner de l'espoir à la team qui veut me voir mourir. Donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, là. Dans mes souvenirs, on se fait pas envahir, ici. Ok, on se fait envahir. J'espère qu'il est pas trop dur, on va voir. Inquisiteur Giza. Dommage. Oh, quand même. Bon, ça va. Ça va. J'ai renommé FC cheveux, pourquoi? Dans le crâne en haut, il y a une pierre de forge pour ton arme. Vas-y, je vais aller checker, merci. Joue rivière sanglante. Attends, j'ai reçu la rivière sanglante là? Oh putain! C'est pas une des meilleures armes du jeu ça? C'est mieux que l'Ushigatana, non? Regardez-le à la place du géant de feu, cette petite merde là-bas. Regardez ça! Vraiment à la place du géant de feu, regardez ça là-bas. Wow! Calme un peu, mon ami. Ah mais du coup vu que j'ai mis l'armure il prend beaucoup moins cher en fait. J'aurais dû enlever l'armure. Dommage. J'aurais pas dû remettre l'armure en fait. Il est un peu plus chaud comme ça hein. Ah putain. J'enlèverai l'armure avant le combat la prochaine fois. Radagon à nous deux, ok. Faut que je me rapproche, faut pas que je laisse tirer ces éclairs. Je suis mort. Putain, j'ai pas le temps de réagir, dommage. Sans armure, c'est plus facile. Hein. Allez, c'est parti, les amis. Merde, putain, j'ai oublié qu'exploser. Aïe. Aïe. Ouïouïouï. Et vous savez quoi, je laisse mettre 3 coups. Aïe. Ok. C'était dur. Non, j'avais esquivé, je vous promets.
putain, je savais plus ce qu'il faisait. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. Oh, come on, Radagon! Mais quoi? Non, mais c'est un truc de ouf! Putain. Oh. Mais mec, il me déglingue. Mais mec, je me fais allumer. C'est hallucinant ce qu'il m'a mis là. Juste spammer en avançant vers lui, hein. Je regarde même, j'ai même pas besoin de regarder l'écran. Là, juste je mets en avant et je tape. Voilà. Bon. Ça commence si mal, putain. Oh, ça commence si mal. Quel enfer, mais quel enfer. Allez. Ouais, c'est qu'il est très. J'ai vraiment pas assez joué ce boss, hein. Putain, mais j'ai pas le timing, je suis trop bête. On n'est pas sur les trucs les plus évidents. Hein. Allez. Ok. Mais où est la difficulté en fait? Où est la difficulté? Est-ce que vous êtes prêts à avoir une cinématique les plus stylées du jeu? Non, non, il y a encore Farmazula, il y a encore la zone de Malenia, il y a encore revenir. Ouais, il y a encore beaucoup de choses. Putain, cette zone où on atterrit. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Cette zone, elle est tellement stylée. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette zone, elle est... Cette zone est trop stylée. Tire. Ouais, il y a de la vie, il y a de la vie. Ouais, il y a de la vie de ouf. Oh, ça va être chaud, ça va être chaud. Je vois, attendez. Laissez-moi me... Ok, je suis une grosse merde. La zone va être compliquée, j'ai l'impression. Peut-être qu'on retournera faire une autre zone avant, parce que là, putain, je vais vous mentir, c'est chaud quand même là, non? Oh, je me suis fait éclater la tronche. Easy la zone. Ah, je peux te dire qu'en randomizer, c'est pas la même chose, hein. De nouveau, hein. Le. Regardez, bon, à quel point je suis en tog maintenant. Bam, tog vie. Voilà, là je suis en tog. Tog, bam. Il est tombé par terre. Tog. C'est pas toi que je veux. Ok, ça dégage, parfait. Oh, j'ai niqué tout le monde. Oh, y'a une quantité de PV par contre. Allez. C'est limite un boss, hein, c'est limite un boss avec les PV qu'il a. Hein. Et là. Ok, c'est bien joué ça, les amis. Je fais la taille d'un orteil, j'ai bien tout celui-là. Hein. Allez. Putain, c'était dur, hein. MDR. Là, normalement, il y a un des dragons les plus durs à tuer du jeu. Vraiment, c'est un dragon gigantesque. Il a 4 ailes. Il fait de la foudre. Il est trop balèze. Il est trop dur à tuer. Et je crois qu'il a été remplacé par ce petit machin là-bas. Vous voyez le petit bonhomme là-bas? Voilà, voilà le dragon. Eh bien... Pierre de Forge Dragon Océan. Bah, c'était bien lui. C'était bien le giga dragon. Ah, il était vénère le dragon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ouais, merci pour les GG. Merci beaucoup. Salut le loup. Je suis une grosse merde. C'est lequel de Elden Ring? Alors là, on est sur Elden Ring 4. Je sais pas si tu connais un peu toute la licence Elden Ring. Une grosse licence Elden Ring. Je vais pas me soigner en vrai. Celui-là, c'est mon préféré. Je sais pas, est-ce que c'est votre préféré d'Elden Ring celui-là? J'ai beaucoup aimé celui-ci. Le 2 était sympa aussi. Oh, j'ai cru qu'il était tombé dans le vide. J'étais tellement heureux. Tombe dans le vide. Vas-y, viens. Non. Ah. Mais mec. Oh, je déteste cette zone. On va passer par en haut. Tranquillement. Mais sûrement, ça va bien se passer. Voilà, le chemin par ici m'a l'air un peu plus tranquille. Donc on va prendre ce chemin là, ok? On sera... Non mais la touche pour courir et la touche pour faire ça, c'est la même. Je crois qu'on a un boss là, non? C'est maintenant le Duo Sanctuaire, non? Il y a un boss qui arrive bientôt.
Attendez, ici il y a un boss, on va voir qui c'est. Il y a un boss qui est très connu dans le jeu de base qui s'appelle le Duo Sanctuaire, qui est assez galère à battre. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. Bon, vous voulez qui comme boss? À part Malenia, parce que je sais très bien que vous avez que ce mot à la bouche. Malenia? Radahn, c'est marrant aussi. J'ai juste bien fouillé la zone, je sais plus exactement où c'est. Qui est-ce qu'on va avoir? Oh putain de merde, non. Oh non, pas ça. Ok. Wow, putain, non. Oh putain, attendez, je suis tellement choqué là. Ouais, attendez, oh non, putain de merde. Ah, je pense qu'il est dans les boss les plus durs du jeu là. Bon, ok, allez, full focus. Quand t'as écrit Seigneur du Sang, ça veut dire qu'il y a la P2 normalement. Et vous avez raison, ouais. Et vous avez raison parce qu'en plus j'ai déjà eu mug normal. Bon, allez. Trop tôt. Hein. Faut que je me rappelle de ce moveset. Là, faut pas que je sois trop loin. Okay, est-ce que je fais beaucoup de dégâts ou pas? Je fais pas de dégâts. Peut-être qu'on va pas faire cette zone, hein. Peut-être que j'irai chercher la lame imitatrice. C'est quoi le truc pour se protéger d'une île déjà? La zone elle est assez difficile. Ah bah là c'est la zone la plus haut level à laquelle j'ai accès là. Attention, je peux pas le taper. Merde, j'ai pas eu le temps de... Je fais pas de dégâts, hein. Je lui fais pas de dégâts, c'est un enfer. J'ai pas eu le temps de réagir, fais chier. C'est un enfer ce qui se passe. Ah mais laisse tomber, c'est impossible, non? Ça va, il te one shot pas? Non, ouais. Ah, je sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que j'irai pas chercher la lame imitatrice? Là, je sais pas comment je peux faire contre lui, hein. Que j'ai encore quelques zones. Je pense qu'on va aller faire ça, du coup. On va farm un petit peu, je pense, histoire d'avoir le nouveau... Ah mais attendez, mais je viens de penser à un truc en plus. On est d'accord que Mug, il est immunisé aux dégâts de saignement? Y'a beaucoup de vie lui ou pas? Je vais juste regarder. Parce que s'il y a moyen de... Je sais pas... Bon, j'ai fait vachement mal. Je me fais juste un petit dragon pour le coup pour commencer. Oh non, je suis un putain. Je suis mort. Ça commence bien aujourd'hui en tout cas. Hein. Manquerait plus que je reçois genre un appel des impôts ou un truc comme ça et dans la vraie vie aussi je me fais éclater. C'est parti quoi. C'est très dur aujourd'hui, c'est très très dur. Allez, Romain, confrontation. Tu vas, je vais tout déglinguer à partir de maintenant. Je ne meurs plus jusqu'à la fin du live, vous allez voir. Pas trop mal. Alors, ah et voilà, c'est là, ok, c'est là. C'est là, et il y a un boss normalement sur le chemin, vous allez voir. Une descente maîtrisée. Ah bah voilà notre boss. Si je meurs contre lui, Kalia et Bandef, ok. Oh, c'est quoi, c'est PV2? Non mais attendez, j'ai pas le faire, vous avez vu les PV? Au pire, tant pis pour lui, non? Il résiste au feu lui en plus, donc j'ai vraiment pas les armes pour le faire. Allez, je reviendrai contre lui quand j'aurai mon nouveau sabre, ok? Pas venu pour ça de façon de base. Bon, là du coup dans cette zone, on va avoir un boss qui est assez important. Parce qu'en gros il va nous donner un médaillon qui nous donnera accès à normalement là où Malenia elle est. Dans le jeu de base. Mais ce qui va être random... Calmos! Allez, je vous prends juste deux secondes. Ok, c'est pas grave, c'est ok. Ok, il a fait une... Ok, il est parti. Vas-y, je vais comme le faire. C'est pas mourir. Attends, c'est bien qu'il soit stun. On va rentrer là-dedans. Ça va être safe. Une potion. Giga safe, cet endroit. Ouh! Oula. Attends, il y a du monde. Peggy 18. Au moins. Deux de moins. Trois de moins. Ça tire pas la réelle, j'ai vraiment ça. Je crois qu'Angine elle a les boules. Allez, arrêtons de partir. Allez, stop. Ne parlons plus de boules, ok? Ne parlons plus de boules. Parlons plutôt de choses différentes. Genre du boss que je vais avoir. Oh non! Non! Oh non! Oh, les boss aujourd'hui c'est un enfer. Faut vraiment que je change d'invocation par contre. Oh quel enfer! Putain, quel enfer!
Waouh, waouh. Non mais les boss aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire. Hein. Je pense qu'on va aller chercher l'administratrice plus vite que prévu. Hein. Le boss est infâme, j'ai même pas les poteaux pour me protéger en plus. Arrêtez de faire ça. Allez, vas-y, viens. Je vais te calmer direct le poteau. C'est moi qui vais me calmer peut-être. Et je fais pas de dégâts. Non, mec. C'est pas aussi facile que ce qui m'y paraît, ok? Voilà, voilà, du premier coup. Du premier coup, voilà, voilà. Ouais, il était pas si facile que ça, ce saut. Hein. Il était pas si facile. Ah, c'est ça, c'est ça? Allez, dis-moi que j'ai, dis-moi que j'ai. Achète à la table ronde. Ok. Je me fais gang bang, les what the fuck. Par pitié, je vois rien ce qui se passe. Je suis vivant, incroyable. Il y a un moment, il y a un chien qui se rajoute, c'est super. Allez, attends, attends. Je suis pas mort. Oh putain, c'est dur aujourd'hui. Bon, je peux ban tout le monde, ok. Angeline, je peux ban toutes les personnes dont le pseudo commence par la lettre Z. J'ai banni Zulu. Non mais attends, tu l'as... Attends, mais je pensais pas qu'il y avait des gens... Non, Zulu, pauvre Zulu. Attendez, Zulu a été ban. Mais non, mais Angeline, je rigolais, Angeline. Déban ces gens, je rigolais. Là, ils ont rien dit dans le chat. Ils ont peut-être pas envie de se faire bannir. Ils ont rien dit, ils sont tranquilles là, posés, regardez le live et tu les bannes. Désolé Zulu, pardon Zulu. Allez, on peut le faire. Les gars qui me met quoi. Allez, c'est parti les amis. Concentration. Salut Dragon Free, comment tu vas? Ok. Niqué là. Ouais, il m'a niqué. Je suis mort. Putain. Je me suis fait rouler dessus, mais je force. Par contre, vraiment, vous savez que... Attendez. Dans les gros boss qui me restent, il y a les deux phases du géant de feu. Malenia, les deux phases. Radahn. Vous vous rendez compte que dans les boss principaux, j'ai plus que les pires boss du jeu là, qui vont arriver bientôt. Et dans le temps, ok, allez, j'en ai bientôt eu un. Allez, un de moins, ok. Si jamais il réapparaît au bout d'un moment, donc faut que pas que je prenne trop de temps à tuer l'autre. Il y a l'autre qui a apparu, c'est la merde. Déjà! Rejambon, c'est dur. Hein. Oh, c'est dur! C'est dur! Le L2 est ultra cheaté. Mais le L2, pour moi, ça fait la roue là. Hein. Ça a pas invoqué? Oh putain, j'allais la finir. Ok, un de moins déjà, incroyable. Ok, parfait ça. Ok les amis, c'est maintenant.
Non, t'es mort là, t'es mort! Merci pour les GG. Quel boss de merde! Est-ce que vous voulez que je vous raconte une blague? Ça fait longtemps que j'ai pas raconté de blague. C'est récemment, j'ai commencé un nouveau régime. Un régime où je me limite à manger un dromadaire par semaine. Je vous ai déjà raconté cette blague, je sais plus si vous l'avez déjà raconté ou pas la blague. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est mon régime M-dromadaire? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait cette blague. J'ai déjà fait cette blague. Putain, je perds la boule. Ok. Je suis concentré. Désolé. Aujourd'hui, y'a rien qui va. Hein. On est d'accord, c'est bizarre, y'a un bug. Je viens de faire la blague à mon frère et il a ri. J'ai dit que j'étais un génie, merci Romain. Ah bah voilà, vous voyez que c'est une bonne blague. Allez, c'est parti du coup pour cette zone de l'enfer. C'est vraiment la zone où vous allez me voir péter un câble. Hein. Elle est vraiment... Les profondeurs, c'est horrible. Ça dégage. Vous voulez que je vous dise un secret? Chaque chute est volontaire. Et là, j'ai volontairement pas chuté pour vous divertir. Je crois que c'est par là-bas, donc il faut que j'aille. Il me semble. Après, les chats, ça grimpe au mur aussi, y'a pas de... Je sais pas, vous savez quoi? Je sais pas pourquoi je sens qu'on va tomber sur Malenia, là. Et je vous fais un serment. Si je tombe sur Malenia aujourd'hui, je n'utilise pas d'invocation. Je sais qu'il y a pas une zone avec un boss juste derrière, là. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que Malenia tombe aujourd'hui. Voilà. Je suis complètement paumé, hein. Didier, tu dors? Didier? Ah non, t'es mort. Je pensais vraiment qu'il faisait semblant de dormir, ok, pardon. Ouah, je suis tellement paumé. Attends, mais c'est là en vrai, attends, c'est là? Ça me déglingue la gauche, j'en peux plus là. J'ai trouvé le levier! J'ai trouvé le levier, putain! C'est pas le bon levier? Mais quelle zone de l'enfer! Ah putain, c'est là où je suis arrivé! Donc là, je fais que aller à droite, c'est ça? Là, je fais que aller à droite et c'est bon? Je tourne en rond. Putain, y'avait un chemin là. Putain, c'est là. Putain de merde. C'est bon. OMG, c'est bon. Oh, fin. Bon, les amis, vous voulez quel boss? Là, normalement, c'est un mini-boss, hein, donc j'aurais pas un truc trop compliqué, normalement. Ok. Le boss le plus dur du jeu, force. Admirez mon skill un petit peu là, non? Je viens de first 44 000 runes pour ça. C'est un truc de malade ce qui vient de se passer là. Enfin, j'ai pas touché, putain. Si je meurs. Putain, j'ai beaucoup de runes en plus. Waouh. Il y a une partouze là. Il y a du monde, hein. Attends, mais c'est un fucking dragon là. Te fous de ma gueule. Me fais pas tomber, dragon, me fais pas tomber. Tout est normal. Vraiment, tout est normal. Tout est normal, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ceci est un randomizer, les amis, j'ai la situation sous contrôle. Il me fait de la peine, il était coincé, il pouvait même pas se défendre, c'est vrai. Allez, stop. Tu joues à quoi? C'est ce Elden Ring 4, là. C'est par là, vous êtes sûr? Oui, c'est par là, hein. Vous allez bien, les bébous sucrés au sucre de canne à sucre aromatisé aux épices d'Allemagne, fraîchement alimentés au jus de pomme saupoudré, au cannelle des Caraïbes, à la noix de coco salée au crabe. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors non. Et après, bonne chance pour le chemin. Ah mais attendez, c'est pas un enfer le chemin par ici. J'ai vraiment des petits yeux ce chemin là, ça va être un enfer. C'est bien, on est rapide là, c'est cool. Aïe. J'aimerais trop une fois organiser un speedrun mais en randomizer. Ce serait pas trop marrant. Genre t'invites plein de streamers et le but c'est vraiment de le premier qui finit son randomizer. Je crois que je suis perdu. Je crois que je suis paumé. C'est pas là où je suis là. Bon les amis, vous voulez qui comme boss? Là on est sur un boss majeur. Il y a potentiellement n'importe qui peut tomber contre moi. Et sincèrement, je pense que c'est mieux que j'ai un boss fort maintenant. Parce que si j'ai de nouveau un boss de merde, il restera plus que des boss trop forts. Et je vais me faire éclater la gueule après. Vraiment, je vais me faire éclater la gueule après. Genre imaginons, je pense un des seuls boss nuls qui me reste, la P1 de Malikette. Donc si là j'ai la P1 de Malikette, c'est à dire que la fin de la run, ça va être un enfer. Et vraiment la fin de la run, ça va être une merde. Ça va être terrible. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas la P1 de Malikette, tout sauf ça.
Ok. Bon, très bien. Bah, ça va se remplacer du sax. Ça va être passé du sax, ok. Bon, mais laisse-moi bouger. Je peux rien faire. Et il est bugué. Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire dans cette arène de merde là. Je crois qu'il est bugué dans le mur, placé du sax. Mais je peux rien faire, je peux rien esquiver. Oh là là là, ça va être dur. Eh non, je suis pas capable là. Ah, c'est bon, voilà, ok. J'y comprends rien. Sous la table. Boum. Esquive. Non, je suis pas esquivé. Ça va être chaud. Bon, avec à deux avec les c'est pas mal par contre. Le grand c'est ok, c'est fine. Qu'est-ce qu'on fait là? Il va se retourner. Il fait la boule, il va commencer à stepper. Fait chier. Ok, il a disparu. Je sais pas d'où ça peut venir. Oh, ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est clairement un des combats de boss les plus stylés, je trouve. Ok. Non, j'ai pris ça vraiment. Et la lame est presque morte. Oh, c'est la bombe, je pourrais rien faire. C'était chaud. Qu'est-ce qu'il me fait? Disparu. Allô? Bonne soirée Sabrina, des bisous. Allô? Le mec y a... Que j'ai plus la lame, ce qui est un peu relou, on va pas se mentir. C'est la merde là, c'est vraiment la merde là. Il profite de la pénombre, c'est un bâtard. C'est vraiment bâtard. Il est passé où? Placé du cul. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça peut venir, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est un jeu d'horreur là. Il est passé là. Putain, là c'est moi qui ai fait de la merde. C'est vraiment chaud là. Le feu, je peux pas l'esquiver. Allez, enseignement. Il faut enseignement. C'est ok. On tape, on s'en fout. Ouh. Allez, mug, à nous deux. C'est inconsommable. Si vraiment je galère trop, j'utiliserai. Putain, deux déjà! Je fais n'importe quoi. Je peux le faire. Calmez-vous, monsieur. Deux d'un coup! Il est sérieux? Là, si jamais c'est pas sa forme finale, hein. Oh fuck, c'est sa forme finale qui arrive là. Ok, là c'est sa forme finale maintenant, ok. Ok, monsieur le mog, je suis prêt. Ça va aller. La lame est presque morte, fais chier. Ok, la lame va crever. C'est donc un 1v1 maintenant. Un bien que je suis en train de perdre, ok. Allez Romain. Oh non, j'ai vraiment pris ça comme dégâts. C'est un des seuls boss que j'ai pas fait dans ma première run, donc je connais pas du tout. Ah, il est très très fort. Il est vrai. Si je vais faire un classement, je pense, des boss les plus durs du jeu, je dirais 1 Malenia et 2 ça se tape entre lui et Malikat, je pense. Non, vous en pensez quoi? C'est Lord. Je kiffe le jeu. Jeu de fou. Bon, ça, c'est moins fou. Trop tôt la roulade, dommage. Mettre là. Je suis mort. Putain, je suis trop con. Est-ce que on peut le battre avant qu'il se transforme ou c'est pas possible? Oui, possible. Avec le stun. Ouais, faut le stun au bon moment en fait, c'est ça. Hein.
Putain, il est jamais stun, je vois rien, je comprends rien, putain. Ah, fais chier. Putain, il est pas facile quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe, hein? Allez, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Trop fort par contre, hein. Attends, il s'est vraiment trop pété. What the fuck? Merde! Quoi? Non fonctionnant! Non fonctionnant! Pourquoi non fonctionnant? Non fonctionnant! Non one shot. Putain, mais ça marche que sur la première phase. Ah, ça marche seulement deux fois. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse à la fin de la P1. Comme ça, je le nique avant qu'il se transforme. Vous allez voir, je vais faire un no shot là. No hit, pardon. Vous êtes prêts pour un no hit? Ça compte pas comme un hit. Ça non plus. Voilà, je comprends rien, je comprends. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. C'est vraiment, vraiment compliqué. Vous avez kiffé le no hit ou pas? Du coup, je disais, si on devait faire un classement des boss les plus durs du jeu, selon vous, il se met combien de tiers notre petit mug? Moi, je dirais 2/3 du jeu en vrai, quand même. Hein. Et heureusement que j'avais l'alarme. Hein. Sans l'alarme, c'était mort. Hein. Peut-être pas tout le monde est d'accord pour dire, bah, il y a un. Bon, Nestrelex, tu vas jouer au jeu. En vrai, je suis plus très loin de la fin du jeu. Hein. Ah non, c'est bon, j'y suis. On y est, les amis, on y est. Vous pensez qu'on tombe sur qui, du coup? Vous pensez qu'on tombe sur qui? Voilà, faut juste espérer un boss pas trop compliqué. Alors, oh, c'est tellement décevant. Oh, c'est tellement décevant. C'est un peu décevant quand même, hein. On en parle de l'arène immense juste pour se battre contre lui. Attendez, je suis pas concentré. Non mais regardez, la reine qui fait 5 fois la taille de nous, c'est terrible. Alors par contre, pour esquiver ça sans les poteaux là, putain. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les nobles sanctuaires, c'est vraiment parmi les boss les moins aimés du jeu. Hein. Je passerai contre lui quand même, s'il te plaît. Si je fais des conneries comme ça, oui. Hein. Oh, je grite beaucoup trop. La 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 la. Papa de poupou. Super les purs les pipu. Bon, il se pourrait que j'ai un petit peu trollé. Il se pourrait que j'ai un petit peu trollé, voilà, que je me sois dit, bon, ça peut arriver à tout le monde de 1 hein, à devant Malikette. Malikette en plus, ce qui devait être très très marrant, c'est qu'il a deux phases. Malikette, il a. Oh, la manette bug. J'espère que vous avez apprécié ce combat de boss de fou furieux. Les amis, quels sont les boss? Personne. Il n'y a pas de... Putain, comme il est arrivé. Ok, ça peut aller. Thank you.
phase 2, mesdames et messieurs, phase 2. Je promets qu'il est pas facile celui-là. Ça, ça va, c'est pas le pire, mais c'est pas non plus le meilleur. Hein. À moins, c'est Neji. Quoi ? Trop tôt. Oui, le boss de base est quand même plus dur. En vrai, ça se fait, non ? En vrai, encore un try et c'est bon, non ? Maliquette, ça dégage. Autant vous dire que je la sens mal la fin. Autant vous dire que la fin je la sens mal hein. Je la sens très très mal la fin. Ok attention, qu'est-ce qu'on a à la place de Gideon? Vous l'avez attendu celle-là hein. Vous l'avez attendu hein. La voilà. La voilà. Ah mais non c'est... Ok 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 c'est bon d'accord ok c'est... Oh stop, tranquille. Tranquille Malenia, ok tranquille. Ok 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 ok. Bon c'est que la première phase à part ça, c'est que la première phase. C'est quoi ces PV? Non elle s'est peut-être soignée, attendez, elle s'est peut-être soignée, j'ai raté. Elle s'est peut-être soignée, j'ai raté, on va espérer que ce soit ça. Je suis mort. Pour Malenia, je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien faire Malenia sans invocation parce que je trouve que c'est plus sympa. Donc je vais tenter de faire Malenia sans invocation, si vraiment trop je galère, je ferai avec invocation parce qu'on est pas là non plus pour s'emmerder sur le boss de la soirée. Mais en gros, là dans le jeu, pour finir le jeu, il me reste 5 boss à faire. Bon, est-ce que vous y croyez à la victoire contre Malenia ou pas? Non, moi je dis oui, largement. J'aurais pu... Oh non, pas déjà! Mais wesh! Ouais, ok, ça va être chaud. Elle me fait déjà cette attaque de merde, c'est super, c'est parfait, tout se passe excellemment bien. Il faut qu'on attaque. Je connais pas encore bien son pattern. Hein. Faut que j'apprenne ce pattern encore. Ouah, tu te fous de ma gueule, c'est la pastonne. J'ai mis cher en plus, c'est dommage. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Laisse me soigner, s'il te plaît. Oh putain, mais je roule trop tard. Putain, c'est insupportable ce boss de merde! Romain, tu peux le faire, c'est que Malenia. 17h pour battre Malenia sans invocation, t'es chaud. Vous croyez pas en moi, c'est ça? De trahir sa rage? Non, je suis pas en train de rager, je suis en train d'apprendre. Vous comprenez la différence ou pas? Je suis en train d'apprendre. Salut Uriel, faut mettre des petits coups, des petits coups. Allez, des petits coups comme ça. Non, mais. Putain, ça me touche ça. Oh, elle me grabe! C'est infernal! Putain, mais. Oh là 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 là! Putain, je vais la faire avec invocation si ça continue comme ça. Hein. Je vais la faire avec invocation, je vais pas y arriver comme ça. Hein. Putain! Non mais attendez, mais comment je... J'arrive même pas à la mettre midlife! J'arrive même pas à la mettre midlife! Non, il faut que je me focus. Romain, si je gagne maintenant, je deviens roi de Bretagne. Mais ouais, mais... Laisse-moi tranquille. Putain! Ça avait bien commencé et après j'ai vu quelqu'un dans le chat qui m'a envoyé des mauvaises ondes et ça s'est mal passé après. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu, j'ai compris. Je pense. Il est pas mal. Ah voilà! Voilà ce qu'on veut! Non, j'ai fait un peu trop tôt! Putain! Oh, je me hais. J'ai fait un poil trop tôt, sinon c'était parfait. Dommage. C'est juste la phase 1. J'aurais juste la phase 1 à faire là. Elle se met tellement, faudra pas. Oh merde. Je sais pas comment esquiver. Je ne sais pas comment esquiver. Je ne sais pas comment esquiver cette merde. Je ne sais pas comment esquiver cette merde. J'ai pas la strat encore pour cette attaque. Bon, hé, hey, là c'était mieux déjà, non? Vous en avez pensé quoi? Genre, quand vous me voyez, vous dites putain, Romain, le skill. Non. Vraiment, je la touche pas. On va reprendre un peu d'endurance, on va jouer risqué. Mais je fais une attaque en trop, je m'en prends deux, c'est un truc de ouf! Reste par terre, je suis. Non, mais déjà! Mais c'est une blague, j'avais stun normalement! Pourquoi j'ai pas stun? J'ai envie de péter un câble, péter un petit câble, t'as le skill coco. Je sais pas si vous avez entendu, il y avait eu le bruit du stun, et je sais pas pourquoi elle a réussi à faire son attaque. Mais on sent qu'il y a une amélioration. Je trouve que tu es un bon chanteur, Romain, merci Alexandre. Il faut vraiment que j'esquive en avant. Trop mal, je joue trop mal. C'est la bonne là, je le sens. C'est la bonne là, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Vous êtes prêts ou pas? C'est la bonne. Si c'est pas la bonne, quelqu'un se fait ban dev dans ce chat. Je dis pas le nom, mais ça commence par X. Non. C'est vraiment cette attaque, mais j'arrive pas. C'est cette attaque là. Comment je...
Comment? Je comprends pas. Non, c'est Xavier. Oui, c'est Xavier. Fais la tenue, apparemment ça passe mieux. Je suis mort. Et si quelqu'un a une astuce pour cette attaque, je veux bien, hein. Je veux bien une putain. J'ai pas encore survécu une fois à cette attaque, hein. Esquiver. Esquiver mes VRL. Il te faut un pot gelé? Un pot gelé. Un pot gelé ou un beau gelé? Un beau gelé, j'en ai. J'ai interrompu, heureusement. Je suis en fait touché par ça vraiment. Oh putain, je la stunnais en plus, je pense là. C'est nouveau ça. Mais j'ai tenté de... Mais j'ai tenté de courir comme vous m'avez dit. Faut un pot glacial, désolé, je me suis trompé. C'est quoi un pot glacial? Ah putain. Bon, ça commence à s'améliorer à part ça. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où je saurai comment esquiver cette attaque de merde, c'est bon. Après, c'est quand même un joli challenge de dire de le faire sans invocation, hein. Vous pourriez dire bravo Romain. Et vous savez quoi, YOLO? YOLO. Alex, pour les deux subs. Oh, mais Alex, tu me fais prendre cette attaque. Romain, tu peux le faire. Putain. Oh, mais quoi? Mais je pensais que c'était... J'ai vraiment pas envie d'utiliser des invocations. Avec les invocations, en fait, ça rend les combats trop simples. Presque dommage, quoi. Allez, Romain. Allez, Malenia, tu tombes. J'ai envie de prendre mon clavier et de l'exploser contre mon crâne. Putain. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il me fait cette attaque, j'ai pas d'endurance et je peux pas courir en arrière. Ça touche, mais... Putain, trop tôt, vraiment, j'ai paniqué. Je suis mort. Est-ce qu'il y a une strat pour qu'elle ne fasse pas cette attaque? En fait, cette attaque, c'est comment ça s'appelle? La danse des lames, je crois. C'est horrible. Elle est obligée de le faire au moins une fois, donc faut que je trouve une technique pour l'esquiver, quoi. Tellement mal joué là. C'est quoi? Ça l'a pas mis à terre quoi de fait. Les timings étaient bons là. Hein. Les timings étaient super bons là. Trop tôt. Non putain. Bon je prends cher par contre. Oh, oh je prends tellement cher. En fait je grille trop je pense. Je grille trop. Il faut vraiment que je me dise tranquille Romain. Il faut que j'aille tranquillement en fait. Il faut que je la laisse elle attaquer en même temps. En premier pardon. Comme dans Smash. Tu joues à Smash, on laisse l'opposant attaquer en premier. Et après on réagit. Ça va, bah les couilles, je l'attaque en premier. Bah les couilles, j'attaque en premier. Putain, j'ai pas de chance là. Je suis vraiment trop con, je suis vraiment trop nul. Je suis vraiment trop nul. Je suis vraiment le pire joueur du monde. J'ai pas de patience en fait. Il faut que j'apprenne la patience. Il faut que je joue à distance, à rapprocher. Petit coup d'épée. Ça risque ce que j'ai tenté là. C'est quoi ces roulades, Romain? Par pitié, c'est quoi ces roulades, Romain? C'est pas mal. C'est qui m'a dit de courir quand on faisait ça? Ça marche pas du tout. Et j'étais prêt cette fois-ci, hein. Il faut jouer tranquillement, ne gride pas. J'avais roulé. Putain, j'avais roulé. C'est un enfer. Il faut pas que je roule pour rien quoi. Faut pas que je roule pour rien. Allez, si je la tue maintenant, vous n'avez plus jamais le droit de me manquer de respect dans le chat. Vous êtes prêts? C'est bon Valéria, je suis propre. Je suis prêt. Propre, ça c'est sûr que non. Hein. Mais putain, j'ai pas les timings des roulades, c'est ouf. C'est ça. J'ai une endurance, je suis mort. Elle me casse les couilles avec cette attaque là. C'est bon. Faut que je mette un maximum de saignement. Je suis mort. Comment est-ce que je pourrais faire? J'ai vraiment raté. Oh, ça commence si mal. Laisse-moi tranquille! Putain, elle s'est retournée. Elle a fait un 3-6 pour venir me niquer, hein. Pourquoi c'est une nouvelle attaque encore? Je découvre des nouvelles. Je m'en pense. C'est ça, ok. C'est à un quart de vie. À un quart de vie, elle fait toujours cette attaque. Ok. Je commence à rentrer dans sa tête là. Effectivement, quand je passe le quart de vie, elle fait toujours cette attaque. Donc faut que je me prépare. Je la mets à un quart et bam, je cours en courant. MG, j'ai survécu. We'll be right back.
deuxième phase. Ah non mais j'utilise là, je vais utiliser l'invocation, je suis désolé. Hein. J'utilise l'invocation, c'est impossible. Là. Après c'est un joli challenge à la battre quand même sans invoque. Hein. Après la battre sans invoque c'est quand même un joli challenge, non? Voilà, c'est qu'elle se soigne contre mon invoque en fait. Hein. En fait elle se soigne contre mon invoque, c'est pas si bien que ça. Hein. C'est pas mal là. Est-ce que vous avez une fin que vous voulez que je fasse absolument ou pas? La fin de Rani, c'est dur à faire la suite de la quête ou pas là? J'ai jamais fait la fin de Rani. Est-ce que la fin de Rani, je dois faire beaucoup de choses là ou pas? Vous voulez que je fasse la flamme exaltée? Flamme exaltée, ok, vas-y, on va faire ça. Clairement, le moment le plus chiant du jeu, c'est maintenant. Oh, j'ai eu la chatte. Je crois que je dois aller là-bas, hein. Être rigolo, ouais. Oh, je sens qu'on va s'amuser là. Vous pariez sur combien de morts? Vous pariez sur combien de morts pour descendre? 3, 2, 6. Non, j'ai. Putain, mais je voulais pas atterrir là, je voulais atterrir en dessous, mais putain! Non, mais c'est une blague! Évidemment, et là, ça marche pas dans l'autre sens! Oh, c'est une dinguerie! J'ai trop bien réussi le saut, on se rend compte de ça ou pas? Super. Là, faut la mériter cette fin. Coccinelle. Allez, ça peut pas être pire que Only Hop. Si j'analyse le chemin, j'ai l'impression qu'il faut que je descende là, 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 et le petit dans le coin là-bas. Je pense que c'est ça. Non, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Hein, vous êtes d'accord? N'est-ce pas, vous êtes d'accord? Là, je vais à droite ou à gauche, vous pensez? À droite, hein, clairement. Je vais clairement là, hein. Ouais. C'est quoi ce jumpé? C'était quoi ce jump de merde? C'était quoi ce petit saut? Mais j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Vous avez rien vu? Vous avez rien vu? Non, y avait rien. C'est quand même marrant, hein. Ils ont quand même mis du platforming dans Elden Ring, hein. Je sais pas si vous réalisez ou pas. Ils ont mis du motherfucking. Oh putain, attends. On va la faire. Par pitié. Par pitié. C'est qui le con qui m'a dit de faire la fin de la flamme exaltée déjà? Merde putain, mais je regarde pas, mais je regarde pas ce qui se passe! Non, 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 pas d'abandon, pas d'abandon, pas d'abandon, pas no abandon. C'est bon, il fait un jump de malade. Mais... C'est bon là, non? C'est bon là? Ah, c'est bon! Oh, MMG, putain de merde. Oh, putain! Oh, quel enfer! J'espère que vous allez apprécier la fin. Et tout ça pour avoir une fin où on brûle tout, quoi. Putain!
Sur quel boss on tombe là? Attention! J'ai déjà fait. Attends, j'ai jamais fait Morgoth? J'ai jamais fait Morgoth encore? Couteau. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ah, est-ce qu'on lui fait mal quand on le tape ou pas? Bon, ça va d'aller. Ça, on lui fait les dégâts, on lui fait les dégâts, on lui fait les dégâts. Ça va, ça va. Ouais, ouais, il est trop stylé. Bah, c'est. Ouh, ok, ok, ok. Morgoth dans son arène. Avant ça, c'est vrai que c'est Morgoth dans son arène en vrai, hein. Ce qui est assez beau. Enculé là, je crois. Enculé, enculé. Quoi? Je suis trop con. Je suis vraiment un abruti. Je suis. Oh, mais mec, mais quoi? Oh, je suis vraiment le roi des cons, hein. Putain. Clone de lui, Margit, c'est un clone de Morgoth, ouais. Ok, deuxième phase, attention! Non, 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 putain de. Ok, ok. Oh là, ça va être chaud ça. Oh, ça va être chaud sa mère. J'ai pas tant galéré que ça en vrai. Hein. C'était pas si dur que ça en vrai. Étonnant, non? C'était pas si dur, hein. Du coup, il reste. Alors, il me reste le géant de feu. Putain, il me reste plus que le géant de feu en fait. Ce qui veut dire que. Boss final, géant de feu là. Vous me confirmez que c'est là ou pas? Oui, c'est là, c'est là, c'est là. T'es là ou non, si j'ai pas de bêtises? Je suis bugué. What the fuck, je suis dans le sol! Parpi, je peux rien faire! Je suis bugué! Je suis bugué! Mais sors de là! Allô? Je peux plus bouger! Je peux plus rien faire! Allô? Mais je suis bloqué! Je suis une statue! Je suis une statue! Je perds pas de vie en plus! Ah! Alors du coup, à la place de Malenia, on va voir qui vous pensez. Si on résume, il me reste qui du coup comme boss là? Géant de feu, le clair bestial. Je vais en oublier, je pense. Hein. Oh putain, mais j'ai pas encore eu le boss du tuto. Imaginez, j'ai le boss du tuto en boss final. Ça serait incroyable. Ça serait tellement marrant. Je sais qu'il y avait une échelle pour monter quelque part. Il y a combien de feux déjà? Pourquoi d'habitude, il y a un mec invisible? Margit? Margit? Oui, chill, hein. Il sort de boîte le Margit, vraiment. Hein. Mais attendez, par contre, ça veut dire que s'il y a un Margit qui m'attaque la gueule pendant que je vais allumer les feux, ça va être chaud quand même, non? Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la zone la plus haut level du jeu maintenant. La zone la plus haut level du jeu maintenant. Oh, c'était chaud là. Oh, j'ai failli passer là. Hein. J'ai failli passer. Hein. Je descends par où là? Attends, il y a un boss bientôt en fait là, en fait, j'ai rien y pensé. J'ai un boss tout bientôt là. Et là, c'est un boss principal bientôt là. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez des idées ou pas? Qui est-ce que je vais avoir à la place de Loretta? Ah, je vais pas descendre aussi bas, mais vas-y. Putain, mais c'est vrai que j'ai pas eu le serpent en fait. J'ai pas eu la première phase de Ricard. Et Whiskey à la place de Ricard. Et pourtant, j'aurais préféré l'inverse. Hein. Attends, l'ascenseur il est où déjà? Je vais clairement pas descendre ici. Elle est quand même classe cette zone. Elle est quand même classe. Oh, le Yeti juste à côté, ça n'a rien, ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Je dois faire ce jump là? Ça devient relou là. Oh, ça devient relou, ça devient relou, ça devient relou. Ça devient chiant, ça devient très chiant, ça devient. Ça me suit? Ça me suit pas. Je vois pas le boss encore, je vois pas le boss. Je sais pas qui m'attend pour le boss. Hein. Imaginez, le jeu a été sympa avec moi, il a dit plus de boss pour Romain, il a gagné le jeu. Alors, sur qui est-ce que je tombe? Il y a personne. Bon, il est un peu caché, hein. Il joue à cache-cache, regardez, il est caché. Je suis caché, je suis le géant de feu. L'arène est très bien. Le problème, c'est arriver jusqu'à lui sans le cheval, ça me fait un peu peur pour ça.
Ok, y a pas de son, je sais pas pourquoi. J'attaque le mauvais pied là. On en parle des dégâts là ou pas? Ok, c'est mieux. Putain, je peux pas invoquer mon double. Pourquoi je peux invoquer mon double? Je vois rien. Putain, connard. Pardon. Je me suis emporté, excusez-moi. Y a pas, y a les sons sont complètement buggés par contre. Hein. Putain, j'ai pas le son en plus. J'ai pas le son et je peux pas invoquer, je sais pas pourquoi. Hein. Bon, c'est normal qu'il soit soigné, je me rappelle pas qu'il faisait ça. Là on fait Malenia, après il reste un boss et c'est fini. Hein. Et vous allez assister à la fin la plus difficile du jeu en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais toi? Oh non non non, j'espère qu'il va pas me casser les couilles lui. Je vais pas me le faire celui-là non. J'aurais clairement dû l'ignorer. Ok. Mon premier let's play, j'avais tellement galéré cette zone. J'espère que ça va pas être le cas aujourd'hui. C'est moi où il y a un bruit bizarre par contre à côté. Attendez, c'est moi où il y a un... D'accord, il y a un bruit un peu comme... Comme un gros monstre. Ouais, il y a un rugissement, on est d'accord. Je sais que ça peut être quoi. Oh, une merde. Ok. Le dragon au début de Farmazola. Ah putain, mais c'est vrai que j'ai pas le dragon... Oui, le dragon de début de Farmazola, il était plus là, c'est vrai. Peut-être ZPK, on va voir. Là ici normalement il y a des combats trop chiants ici, je suis content qu'ils y soient pas. Hein. Là c'est vraiment une zone qui m'avait fait tellement galérer dans mon premier let's play. Je vais fermer ma gueule parce que... Et ça dégage. Ah, cette zone de mort là, putain cette zone de merde ici. Quelle zone de merde ça? Oh quelle zone de merde, mais quelle zone de merde, mais quelle zone de merde. Mais oui en plus ça me repousse de super. Oh oui non mais je peux rien faire en fait, je suis mort, c'est mort, je peux rien faire là. C'est l'exigo, je sais pas comment je peux faire là. J'ai un mec qui me tire des flèches qui me fait partir dans l'autre sens en fait. Ça va être vraiment galère. Putain, Elden Ring. Oh putain. Les gars, il va falloir que je sois bon sur les esquives. Photo. Fallait vraiment que le randomizer me foute un putain d'archer dans cette zone de merde. Il fallait vraiment que devant le putain de marécage, j'ai un archer qui me repousse à chaque fois qu'il me touche. Évidemment, il faut qu'il ait 52 000 PV. Évidemment, hein. Ça serait pas drôle s'il était pas aussi pété ce. Au moins, on va dire que là, s'il me tire dessus, il me fait avancer. Voilà, il me fait avancer, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, continue pas trop vite pour pas que je crève. Putain, attends, mais je perds de la vie à une vitesse de ouf là par contre. Attends, si je. Non, je vais pas crever avant. Je vais pas crever avant d'arriver, non. C'est où que je dois aller? Ah, j'y étais? Attends, tu te fous de ma gueule? C'est là où j'étais avant? Non, c'était là-bas. Ouais, mais j'avais très envie de récupérer ce machin dans le... Ok. Oh, graine dorée, en vrai, ça valait la peine. Hein. Je pense que je vais aller là. Appelez-moi The Goat. Il saute ou pas, vous croyez? Vous pensez qu'il saute ou pas? Attendez, est-ce que vous pensez qu'il a sauté ou pas? Il a sauté. Il avait clairement sauté. Ah oui, putain, j'ai cru que c'était Malenia, mais non, c'est le décor. Les amis, l'avant-dernier boss. N'oubliez pas, les amis, là, normalement, c'est le boss le plus fort du jeu, Malenia, qui est remplacé par... Ouais, mais est-ce que j'ai l'arme pour tuer le serpent ou pas? Est-ce que j'ai l'arme spéciale? Parce que sans, ça va être chiant. Hein.
Ok, deuxième phase. Deuxième phase, attention. Après, je peux comprendre en même temps que je fasse peur en même temps. Je peux comprendre que je fasse giga peur, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi aussi, si je devais me fighter moi-même et que j'étais censé avoir deux phases, je ferais qu'une seule phase. Voilà. Moi, à la place du serpent, je ferais qu'une phase. Est-ce que vous voulez, que j'y voir Mog ou pas quand même? Est-ce qu'on va au boss final ou Mog? Boss final ou Mog? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'était là? Alors, je voulais pas descendre à la base. Je suis descendu. Attendez, what the same? What the same? Attendez, 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 attendez. Non! Putain, non! Non! J'ai failli faire un truc de fou! Putain! J'ai failli faire un truc de malade! Oh, ça a failli être incroyable! Putain! Non! Ah? C'est ça, vous avez dit un flash? Ah, bah voilà! Ok, ok, c'est là. Bon, ça, c'était pas trop dur à trouver. Il faut juste que je tue le mec qui m'a envahi, quoi. Faut tuer l'envahisseur, bah je sais pas où il est. Monsieur l'envahisseur! What? Oh non, 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 pas un invisible. Oh non, non, pas un invisible. Oh putain, non. Oh, c'est tellement chiant ça. Mais putain, ouais, mais c'est impossible. Oh. Putain, il fallait vraiment que je me tape ça comme envahissement, vraiment. Ok, il faut que j'observe. Regardez. Oh putain. Je vais utiliser mon aim, mon chakra, tout ça, vous allez voir. Je vais me rattraper tout le chemin là. Mais. Attends, tu te fous ma gueule. Le mec. Attends. Le mec contre qui je me fightais avant, c'était pas l'envahisseur. Tu es casse-couille, Willem. Non, tu es casse-couille. J'en ai marre de faire ce chemin de merde. Il y a du monde. Alors cette zone je ne la connais pas du tout. Donc vous pouvez me guider un peu si jamais. C'est une zone que j'ai jamais faite. Mais il y a du monde. C'est ce que je vois en tout cas. Oh putain de merde. Oh là là là. Comment du monde, ouais. Oh laissez. Oh putain de merde. Je pense que je suis mort hein. Ouais d'accord. Wouh. Ok. Mais what the. Oh là 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 là. Mais pardon. Mais comment je monte? Comment je monte? Ok comme ça. Aïe. Je vais y arriver. On parie first try ou pas? Je vous présente le personnage le plus abject de l'univers de Elden Ring. Non, j'ai déjà fait. Non, 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 non. Non, mais je t'ai déjà battu, toi. Je t'ai déjà battu. Tu te fous de ma gueule. Non, non. Comment ça? Comment ça? Mais je l'ai déjà battu. Mais je l'ai déjà battu. Mais non, j'ai déjà fait. Mais comment ça? Il y en a deux des Astel. Alors, est-ce qu'on commence par géant? J'espère qu'on... Merde, je suis mort. Ah, mais il me vole ça! Mais attends, mais comment je le tue? Il me... Attendez, je comprends pas. Et je comprends pas ce boss, mais what the...
Ok. Phase 1 terminée. Alors sur qui on tombe? Mais il est où le géant de feu? What les dégâts? Mais il est où le géant de feu? Je crois que je sais où il est le géant de feu. Mais oui, ça, il est. Je sais où il est le géant de feu. Il est à la place du dragon de Fia. Attendez, est-ce que je le fais vite ou pas? What? Et je comprends pas où est le géant de feu. Il est où le géant de feu? Adios, Loretta! Mais écoutez, le géant de feu, je sais pas où il est. Hein. Les amis, c'est la fin. Oh, il a été boosté, bah oui, clairement. Les amis, c'est la fin de ce randomizer. J'avoue que le boss final était pas trop dur. Hein. Pourquoi il y a des putains de facochères? Allez-vous-en, là, c'est le moment épique. Super, il va y avoir des facochères dans la cinématique, je suis trop heureux. Hein. Mais la fin de la flamme exaltée. J'espère que vous avez apprécié. Quel jeu quand même, putain, quel jeu en vrai. YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi tous ces épisodes de Elden Ring Randomizer. C'était un vrai plaisir, une vraie belle aventure que j'ai faite sur YouTube. Ça faisait trop plaisir. Évidemment, on l'a fait en live à chaque fois. Donc là, YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre en live parce qu'on va... on n'a pas terminé avec Elden Ring. Je vais trouver d'autres modes, notamment des trucs avec One Piece, des trucs de téléportation. Vous inquiétez pas, il y aura plein de choses sympas qui vont se passer avec Elden Ring dans la suite. Peut-être même refaire juste un randomizer avec le double de boss parce que c'est possible, on peut faire ça. Enfin bref, en tout cas, merci fond du cœur d'avoir suivi toutes ces vidéos Elden Ring Randomizer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous.